végétal et nous remercions l'Académie du climat de nous recevoir. Aujourd'hui, on commence par une soirée friponne avec la sexualité débridée du végétal. L'imagination végétale est sans limite et ne connaît aucun frein dès lors que la survie est en jeu. Les plantes n'ont peur de rien et ne connaissent pas les pudeurs de l'humain. Car le vivant, se défend, conquiert, se multiplie, foisonne ou se replie. Les écosystèmes et leur diversité sont des milieux dynamiques, sans cesse à la recherche d'un nouvel équilibre. Alors la sexualité, ou devrait-on dire les sexualités, sont vitales pour maintenir et donner toutes les chances à la vie. Les végétaux ne sont pas avares en la matière. Les plantes copulent, s'envoient en l'air dans une débauche libertine. Elles déploient érotisme, lascivité, agressivité, tromperie ou friponnerie, c'est selon. Leurs armes, odeurs, couleurs, sécrétions en tout genre, formes, mouvements. Comme on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, elles séduisent certains animaux avec un nectar fermenté très addictif. Tout est bon pour séduire les pollinisateurs ou attirer les pollens qui se baladent dans les courants d'air ou d'eau. Ce qui est certain, c'est que cette vitalité sexuelle est ce qui leur permet cette exceptionnelle longévité dans l'histoire du monde. Pour en parler ce soir, Simon Klein et François Lasserre, à qui je vais laisser le soin de se présenter, et Isabelle Morand et moi-même Isabelle Vauconsan, journaliste Hortus Focus, pour animer la soirée. Merci à tous. Allez, Simon. Ok, je commence. Donc, bienvenue, entrée. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, moi, je m'appelle Simon Klein. Je suis actuellement médiateur scientifique. Je travaille plutôt sur l'éducation au changement climatique et à la biodiversité. Je travaille beaucoup avec des enseignants, avec des formateurs d'enseignants. Mais avant ça, j'ai travaillé longtemps sur la question des pollinisateurs et de la pollinisation. Donc, j'ai un doctorat en écologie des pollinisateurs abeilles et bourdons, c'était un peu mes sujets d'études. Et cette passion pour la pollinisation, les fleurs et les abeilles, elle ne m'a pas quitté, et elle me suit. Enfin, je nourris une passion qui va jusqu'à continuer à travailler ce sujet-là en vulgarisation. J'ai publié ce livre. C'est oui, très important de montrer le livre parce qu'il est vraiment très bien. Hein. Voilà, et vie sexuelle des fleurs. Merci. Et puis qui est pile dans le sujet, j'ai l'impression, dans lequel je trace avec 50 exemples la manière dont les plantes utilisent différents stratagèmes, comme tu l'avais dit en introduction, pour se reproduire. Et Simon, ça ne s'arrête pas là. Tu fais aussi un spectacle. Oui, alors j'ai aussi une conférence théâtre, enfin une conférence spectacle que je souhaite tourner de plus en plus, là, qui tourne un petit peu en région et puis que je vais bientôt faire tourner à Paris, en région parisienne. Voilà, qui s'appelle Abeilles et fleurs, un amour en péril. Merci. François. Bonsoir tout le monde. Alors moi, je connais moins les fleurs, mais je connais ceux qui les aident à faire du sexe, des petits animaux avec 6 pattes et des ailes. Les insectes. Et c'est vrai, quand on s'intéresse aux insectes, on est obligé de s'intéresser aux plantes, puisque les plantes et les insectes sont liés. Beaucoup, 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 beaucoup. Et en particulier, les plantes à fleurs, une grande partie des plantes à fleurs dans leur sexualité. Je suis auteur aussi de livres sur les insectes et vice-président de l'Office pour les insectes et leur environnement, mondialement connu, n'est-ce pas ? Qui est une jeune association qui existe depuis 1969. Et en fait, dans le monde dans le paysage de la protection de la nature, c'est très jeune, parce que la société qui s'occupe des oiseaux, des mammifères, tout ça, elles ont plus de 100 ans. Et en fait, les insectes, en 69, on a commencé à se dire, et si on faisait avec, si on arrêtait de trop les exploiter et de les utiliser, pourquoi pas dans la lutte raisonnée, etc. Donc 69, c'est assez jeune. Voilà, il y a une magnifique maison des insectes à Carrières-sous-Poissy, si ça vous intéresse, pour les franciliens et franciliennes, avec une exposition pédagogique sur les insectes. Permanente. Exposition permanente, oui, à Carrières-sous-Poissy, la maison des insectes. D'accord, merci François. Bon, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, qui est très très large. Chez les plantes, on se reproduit comment ? Chez les végétaux,
Il y a du sexe, il n'y a pas de sexe, il y a un petit peu des deux, il y a quoi ? Il y a du sexe, il n'y a pas de sexe, il y a un petit peu des deux, vous l'avez dit. Non, un petit point un peu aussi général, il y a du sexe ou pas, mais aussi il y a d'autres choses derrière. Quand on parle de reproduction, on va parler à la fois de la partie où il y a une rencontre. Donc le sexe, c'est vraiment le sexe ou fécondation, c'est la rencontre entre un spermatozoïde et un ovule. On part tout de suite dans les trucs techniques. Donc c'est-à-dire, voilà, comme chez les humains, on va avoir un rapport sexuel. Donc on va parler de sexe à ce moment-là pour parler du moment où on a une rencontre entre le zygote mâle, donc le spermatozoïde qui tient les gènes du côté mâle et l'ovule, les gènes du côté femelle, puis ça donne une cellule œuf qui va donner un individu fils avec le croisement de la génétique du père et de la mère, entre guillemets. Ceci étant dit, donc ça c'est juste pour définir où on place le sexe et à quoi ça correspond. À côté de ça, chez les plantes, il y a quelque chose qui est très intéressant et très important, c'est la graine. Et la graine, c'est finalement le fruit, donc c'est aussi ce qui découle de la cellule œuf. Et donc, cette graine, elle va, elle aussi, avoir une importance dans la reproduction des fleurs, parce qu'elle va voyager. Elle va permettre aux plantes qui sont immobiles, là, on est tous d'accord là-dessus, de pouvoir coloniser le milieu. Ça, c'est un aspect très important en évolution. Comme le pissenlit. Comme le pissenlit, qui va effectivement coloniser, grâce au vent, le milieu. Les graines, elles vont être portées sur les aigrettes et partir. En fait, quand on revient vraiment à la définition de la sexualité des plantes, il ne faut pas oublier tout ce qui se passe après la fécondation, qui est donc le développement de la graine et du fruit, qu'on pourra aborder sur une autre table ronde. Et donc, on revient ici sur la question de, à partir du moment où on a une rencontre ou pas entre un spermatozoïde et une ovule pour permettre la reproduction. Il y a du sexe ou pas ? C'est une bonne partie des plantes peuvent se cloner. Elles peuvent proliférer avec ce qu'on appelle une multiplication végétative ou reproduction asexuée. Et on va le retrouver ça avec des organes un peu spécifiques, par exemple les stolons des fraisiers. Je ne sais pas si vous voyez les fraisiers. Oui, c'est les petites tiges qui partent du pied mère. C'est ça. Qui partent du pied mère et qui vont développer des racines, puis un pied. Donc là, ils se débrouillent tout seuls, quoi. Là, ils se débrouillent tout seuls et en fait, c'est vraiment génétiquement, c'est très très proche. Enfin, c'est vraiment le pied mère qui donne un pied enfant, quoi. Et François, la pollinisation par les insectes dans tous les différents types de reproduction qu'on a abordés là, c'est la majorité de la reproduction ou les graines, l'eau, etc., c'est plus important ? Comment ça se répartit un petit peu cette reproduction chez les plantes ? Ça, c'est une question botanique. Une grande partie des plantes à fleurs, même si, en tout cas, on va dire au moins les fleurs que l'on peut voir quasiment, que l'on peut constater, même si elles ne sont pas très grandes, utilisent en général les insectes. Et puis après, quand on ne voit rien, quand on ne voit pas du tout de fleurs, etc., ben une abeille non plus ne va pas la voir ou pas passer à côté. Donc du coup, la reproduction se fait autrement. En revanche, le pourcentage, je ne l'ai pas du tout en tête. Alors il me semble que c'est 15-20% par le vent et l'eau, voilà. Je crois. Bon, la sexuée, je ne sais pas vraiment. Mais. Oui, non, vas-y. Je parle avec plein de micros maintenant. Asexué, ça va être ce qu'on appelle la multiplication végétative. C'est vraiment une stratégie. Elles peuvent à la fois faire les deux. C'est-à-dire qu'elles peuvent se reproduire de manière végétative juste en se clonant, tout en produisant des fleurs qui permettent de faire une reproduction sexuée. Et donc là, quand on revient sur la fleur, effectivement, c'est à peu près 15-20% qui sont pollinisés par le vent. On dit anémogame, et le reste, dans nos contrées, par les insectes. Voilà, à partir du moment où on voit une fleur, où il y a une fleur très bien visible, même si parfois les fleurs sont vraiment toutes petites, comme sur le chêne, si je ne me trompe pas, elles sont vraiment minutes. Et je voudrais tout de suite dire que la reproduction est finalement un mot, et c'est ça qui est très important d'ailleurs dans la pollinisation. En fait, on ne se reproduit pas justement quand on fait du sexe. On se reproduit quand on fait du clonage et encore, on est même différent. C'est-à-dire que même quand on se clone, on est un peu différent. Et en fait, c'est vrai que c'est pas OK tellement de dire on se reproduit. La preuve, si je vais voir vos parents, ils ne sont pas du tout reproduits. Vous êtes vraiment des hybrides, des mutants plutôt, et des mutantes. Et justement, on ne s'est pas reproduit et tout est là dans le sexe. Ça permet justement de ne pas trop se reproduire, justement d'être très différent de ses parents,
d'être des mutants, et ça permet de s'adapter. S'il y a des changements climatiques, on en reparlera, mais c'est vrai que c'est vraiment au cœur de la pollinisation, le fait de justement ne pas se reproduire. Tout le monde dit on se reproduit, mais en fait, vous voyez que ça n'est pas une reproduction. On devrait dire quoi alors ? On produit. Eh ben on mute, par exemple. Voilà, on mute, on évolue. Mais effectivement, quand je vois mes parents, je ne ressemble ni à l'un ni à l'autre. Vraiment, quoi. Je suis un mutant des deux. Et donc les plantes ? Et donc c'est pareil. Et du coup, cette mutation est beaucoup plus importante quand on ne se reproduit pas et qu'on fait du sexe. C'est-à-dire quand on va prendre un peu de génétique chez le mâle, un peu de génétique chez la femelle, du coup, c'est là où on devient un mutant. Et quand on mute, c'est comme ça qu'on peut s'adapter à... Alors c'est l'évolution, tout est là. C'est comme ça qu'on peut s'adapter un peu mieux. Et c'est ce que les études montrent, c'est que les plantes sont un peu obligées de le faire si elles veulent rester sur Terre. Alors que si elles s'auto-fécondent, s'il n'y a plus d'insectes, par exemple, ben elles vont finir par disparaître parce qu'elles ne seront pas assez mutantes, justement. Je vous la fais un truc simple. Si, par exemple, vous n'êtes pas adapté au froid et que vous êtes adapté au chaud et qu'il commence à faire froid et que vous clonez, ben, si vous êtes adapté au chaud et qu'il y a trop de froid, vous allez disparaître. Bon, ici, on pourrait parler du chaud, par exemple, plutôt ici. Alors que si vous faites des mutants, dans vos mutants, il y en aura bien qui seront adaptés à la chaleur ou au froid, peu importe, si le changement change. Je ne sais pas si vous me suivez, ce n'est pas forcément intuitif, la théorie de l'évolution, mais c'est ça qui arrive. Et donc, plus on mute, plus on a des chances d'avoir des descendants adaptés à des conditions différentes. C'est pas ce qu'on appelle la biodiversité. Et c'est pour ça qu'il y a de la biodiversité, tout à fait. Mais voilà. Non, mais je voulais. C'est vrai qu'on dit reproduction, tout le monde le dit, mais en fait, non. Mais c'est ça qui est très important, c'est qu'elles font des mutants grâce à la sexualité, grâce aux insectes. Simon, quels sont les organes reproducteurs des plantes? On parle toujours pistil, étamine. Si on fait un petit tableau rapide, qu'est-ce qu'on trouve comme organe reproducteur chez les plantes? Alors, merci. Deux micros. Alors oui, vous avez tous et toutes, je pense, en tête quelques termes de botanique, hein, de pistil, étamine, ce genre de choses. Le pollen, par exemple. En fait, nous, ce qu'on va chercher là, c'est de voir où se retrouve justement ce spermatozoïde ou cet ovule. Donc, la partie qui... qui a les gènes mâles, et la partie, le zygote, qui a les gènes femelles. L'organe reproducteur, il va porter pour partie ce qui est mâle, donc les spermatozoïdes, et pour partie ce qui est femelle. Et en fait, on peut parler de l'organe reproducteur mâle comme étant le grain de pollen. Le grain de pollen, en fait, c'est le plus petit organe qui puisse contenir un spermatozoïde. Dedans, il y en a deux. Et cet organe, c'est celui qui va voyager. En fait, c'est le fait qu'il puisse être mobile, qu'il puisse être tout petit, qu'il soit, quand on va être sur des plantes qui sont pollinisées par le vent, il va être très léger. Par exemple, les pins, les grains de pollen ont des ballonnets d'air qui permettent au pollen de voyager sur des kilomètres et des kilomètres. Et en fait, ça permet à ce que le spermatozoïde puisse éventuellement, par le hasard avec le vent, arriver à toucher une surface. Et cette surface, ça va être le pistil. Donc le terme de pistil, ça correspond à la surface qui contient le zygote femelle. Donc en fait, c'est là où va se trouver, donc immobile, la partie femelle chez les plantes. Et en fait, dans la majorité des plantes, on va retrouver ça au même endroit. La majorité des fleurs, en fait, elles sont ce qu'on dit hermaphrodites. Donc sur la majorité des fleurs, on va retrouver des pistils et des étamines qui portent les grains de pollen. Ça va à peu près sur le... Mais ça veut dire qu'elles ne changent pas de sexe. Elles ont, les deux. Les deux au départ. Elles ont les deux au départ. Et alors, pas toujours. Pas toujours, mais... C'est une sorte de pourcentage encore, principalement. On est à 80, on va dire 60%, je crois, de fleurs qu'on dit hermaphrodites. Après, il y a des définitions différentes entre des plantes qui vont avoir des pieds mâles et des pieds femelles. Ça va être souvent, en fait, les plantes qui sont pollinisées par le vent. On va privilégier, entre guillemets, c'est l'évolution. Quand je dis « on », en fait, c'est l'évolution. C'est pas Dieu, c'est l'évolution. C'est pas moi non plus. Mais voilà, je dis « on » par esprit de vulgarisation, mais il faut penser qu'en fait, tous ces phénomènes, tous ces processus, dès qu'on va parler de stratagème, de stratégie, il n'y a aucune intention derrière. Vraiment, c'est le fruit de l'évolution et du hasard qui fait, comme on l'a dit, que
par le hasard, par des mutations, par des croisements génétiques, on va avoir un type de reproduction qui va être favorisé dans l'environnement et qui va être fixé sur la population et qui va devenir la norme pour cette espèce-là de fleurs. Et donc, on va avoir quand même, chez les plantes à fleurs qui sont pollinisées par le vent, une tendance à avoir plutôt des pieds mâles, ou alors soit des fleurs qui sont que mâles et des fleurs qui sont que femelles. On a ça par exemple chez le maïs, les fleurs mâles vont être beaucoup plus hauts et les fleurs femelles vont être beaucoup plus basses. En fait, le vent, vous pensez bien qu'il va prendre les épis de maïs vers le haut, enfin les pieds de maïs vers le haut et va faire transporter comme ça des grains de pollen qui vont se retrouver sur des pieds, des fleurs qui sont mâles, femelles en bas. Et ça, c'est un petit pourcentage. Le gros pourcentage, en fait, il y a les deux au même endroit et on va retrouver ça beaucoup chez les plantes qui sont pollinisées par les insectes. François ? Oui, non, je voulais refaire, là, parce que ce n'est pas forcément évident, mais donc les fleurs sont les organes sexuels des plantes. Et qui dit organes sexuels dit mâle et femelle. Et on peut s'auto-féconder, mais comme on l'a dit, c'est mieux de se croiser, d'aller chercher quelqu'un qui n'est pas de sa famille. Voilà pourquoi nous, on a interdit de se marier avec ses frères et sœurs, etc. Donc on va se croiser avec des individus qui sont plus éloignés. Et quand on est une plante, on ne peut pas se déplacer. Et donc, pour déplacer ces spermatozoïdes, pour emmener ces spermatozoïdes vers les femelles, eh bien, on utilise différents moyens, le vent, enfin, on n'utilise rien, mais le vent permet ça, l'eau et en partie les insectes. Et donc, l'évolution a apporté par hasard un lien très fort entre une grande partie des plantes et les insectes qui participent à leur sexualité, sans s'en rendre compte. Une abeille ne va pas sur une fleur en disant « je vais prendre du spermatozoïde de... » Ah bon, elle ne se dit pas ça. De telle fleur. Elle se dit beaucoup de choses, mais pas ça. A priori, non. Et je vais aller féconder une femelle de la même espèce de fleur. Je vais être sympa, je vais leur permettre de faire du sexe. Non, mais elle va sur la fleur parce que l'évolution a fait que, comme la fleur a besoin d'elle, le lien, c'est qu'elle elle s'est rendue au cours de l'évolution complètement irrésistible. En forme, en couleur, en odeur, en goût, en tout ce que vous voulez. Voilà, comme vous, quand vous prenez pour la première fois une nouvelle boisson, on va tout faire pour que vous ayez envie d'y retourner. Parce que une fois, parce que c'est pas le tout de se poser sur une fleur mâle où il y a des grains de pollen dans lesquels il y a les spermatozoïdes. Il faut aussi après aller se poser sur la femelle de la même espèce. Si vous allez sur une autre espèce, donc. Alors c'est vrai qu'après il y a des fleurs qui s'ouvrent un peu toutes au même moment, donc du coup ça va faciliter le fait qu'elles vont aller toujours sur la même espèce, mais sinon elles se sont rendues, l'évolution les a rendues irrésistibles. Du coup une abeille ou une mouche à merde, parce qu'il y en a assez des abeilles, un frelon qui va sur une fleur, puisque les frelons pollinisent, en sortant il se dit oh, c'est délicieux, il va retourner sur une autre fleur et avec un peu de chance ou de hasard il va retomber sur une fleur femelle. En fait il y a un terme qui me vient en tête là, c'est la fidélité, très chère à la monogamie et tout ça, mais en fait dans la fidélisation, la fidélité, c'est à dire qu'effectivement c'est important qu'une même, un même individu, un frelon, une abeille, un bourdon. Une mouche. Un bourdon. Une mouche, oui, tiens, François. Une ouvrière bourdon, d'ailleurs. Aille d'une fleur de la même espèce, comme tu as dit, jusqu'à une autre fleur de la même espèce. Et en fait, pour ces bourdons, frelons, abeilles, c'est ce qu'on appelle la constance florale. On a remarqué que c'était plus simple pour elles de rester tant que cette espèce-là, donc avec cette couleur, par exemple, une fleur de sauge, elle est violette, elle a cette forme-là, elle a cette odeur-là. Ok, j'ai retenu ça dans ma petite tête de frelon, abeille, bourdon. Tant qu'il y a de la nourriture dedans, je vais juste aller chercher les mêmes fleurs. Je vais être attiré par la même odeur et le même visuel. Il n'y a pas d'encombrement cognitif qui va se faire. C'est-à-dire qu'on retient juste une information et puis on va aller chercher. Là, c'est un peu comme nous, quand on a une recette qui nous plaît bien en tête, on va faire toujours la même recette. À partir du moment où il n'y a plus de nectar à tirer de cette fleur-là, alors l'abeille bourdon frelon va aller sur une autre espèce de fleur. Mais est-ce qu'on sait, alors en parlant des insectes, François, je pense qu'on va revenir dessus, qu'est-ce qui les attire chez les fleurs ? Alors bon, on a bien compris déjà, mais est-ce qu'il y a par exemple des couleurs qui les répugnent, des couleurs qui les attirent ? Est-ce que les formes sont sexy ?
Est-ce que, enfin, qu'est-ce qui fait que un insecte va être attiré par exemple une odeur qui lui a plu, qui n'est pas forcément celle qui va nous plaire, puisque quand vous parliez des mouches à merde, elles aiment bien ce qui sent pas bon. Alors, mais comment ça se fait que c'est si diversifié? Et puis, nous on ressemble pas aux insectes, donc c'est difficile de comprendre. Les mouches à merde adorent l'odeur d'une fleur délicieuse. Et d'ailleurs, quand elle va s'alimenter, elle, en tant qu'adulte, une mouche verte, vous voyez les verts, les bleus, mouches, tout là, ça, oui. Les dites mouches à merde, en fait, des lucilies ou des mouches bleues, elle va aller sur des fleurs qu'on trouve qui sont parfaitement adaptées, enfin, qu'on trouve, dont l'odeur nous plaît aussi. En revanche, elle va sur un excrément, mais plutôt pour y déposer ses larves. Ah, voilà, c'est pas en la même revanche, chose. Il y a d'autres petites mouchettes, mais c'est pas celles-là, qui vont être attirées par des fleurs qui sentent le cadavre ou la crotte, oui, parce qu'elles ont l'habitude d'y mettre leurs larves et elles vont rentrer dans la fleur. D'ailleurs, je sais même pas si... Est-ce qu'elles butinent? J'ai un mini-doute. En tout cas, elles sont attirées comme dans l'arôme, par exemple, ouais. Dans ton livre. Elles sont attirées par une odeur nauséabonde. Elles sont. Vous avez tous vu ça quand vous baladez en forêt, tout ça ou quand vous avez feuilleté mon livre. Et elles tombent dedans et en fait elles peuvent rentrer, mais elles peuvent pas se ressortir et du coup elles bougent à l'intérieur. Ça permet de polliniser l'arôme parce qu'elles sont parfois normalement rentrées avec du grain de pollen d'un autre arôme. Dis-moi si je me trompe. Elles sont attirées par une odeur là nauséabonde, mais parce qu'elles pensent qu'il va y avoir quelque chose adapté pour elles. Elles restent dedans et avant que la fleur fane, elles sont coincées, donc elles pollinisent. Et puis après, ça fane, ça s'ouvre et elles sont libérées. En fait, elles sont attirées par un de leurs besoins primaires qu'elles veulent assouvir, c'est le fait de se reproduire, de pondre des œufs sur ce qu'elles pensent être un excrément. En plus de l'odeur, il y a aussi la chaleur, les arômes. On a pu montrer que... Mais c'est de la duperie, ça. C'est alors. De la duperie, ouais, de la tromperie. De la tromperie. Il y a souvent un échange, quand même. Hein. Dans le cas de l'arôme, pour le coup, c'est sens unique. Enfin, je veux dire, ouais, elles ne trouvent rien. Elles vont pas... Il n'y a pas de nectar qui est produit. Et elles ne consomment pas forcément de pollen. Vous avez bien compris qu'elles se trouvent... Enfin, que ce soit les abeilles ou les mouches, dans ce cas-là... sans se faire exprès, elles vont se retrouver poudrées de pollen. Et c'est la faculté aussi du pollen, du grain de pollen, c'est d'avoir des tout petits crochets minuscules, enfin des aspérités, qui fait que c'est des grains qui s'accrochent à un peu tout, et notamment à des poils. Et la majorité des insectes pollinisateurs sont relativement poilus. Tout à fait. Et d'ailleurs, les guêpes, c'est très poilu, une guêpe. En fait, pas forcément de loin, mais quand on s'approche, c'est très poilu. Les mouches aussi ont plein de poils, même les punaises. Les cétoines qui vont sur les fleurs aussi sont pleines de poils. Donc tous ces insectes sont susceptibles de transporter du pollen. Oui, alors soit le grain va s'agripper au poil tout seul, soit ça se fait aussi parfois de façon électrostatique. Elle se retrouve... Après, il y a d'autres, les orchidées, pardon. Elles veulent vraiment, vraiment que ça marche. Et du coup, il y a ce qu'on appelle les pollinies dans ce cas-là. C'est des gros paquets de pollen qui sont, il y en a deux souvent par orchidée, qui sont en boule avec une petite tige, avec une genre de glu hyper forte, qui, au contact de l'insecte, va en fait déposer tout ce paquet de pollen qui va rester collé vraiment sur la tête d'une abeille. Là, j'ai une photo, un endroit où on voit que. Une abeille qui aura visité plein d'orchidées va se retrouver avec des petits patchs comme ça de pollen. On a pu montrer mais que par la exemple, glu est les très, orchidées, très, très, très elles font tout, quand même tout pour attirer les insectes. Leur label là, qui ressemble à une piste d'atterrissage, donc c'est aussi des stratégies pour guider. Et pourquoi elles sont si colorées? Alors attention, elles n'ont rien fait pour et il n'y a aucune stratégie. Je sais que c'est difficile. Mais effectivement, à partir du moment où votre sexualité est liée aux insectes, l'évolution vous a vraiment doté de plein de trucs, tout à fait. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, oui, voilà, c'était ça la question. Donc, la forme, la couleur d'abord. Alors, celle qui plaît un max, c'est le jaune quand même, pas mal. Et c'est d'ailleurs comme ça, quand on veut piéger des insectes pour faire un inventaire, par exemple, puisque les entomologistes
souvent tue encore des insectes parce qu'après il faut aller les identifier, c'est pas pour le plaisir, mais bon, c'est après pour les identifier, on essaye de faire le moins possible. Et ils vont utiliser du jaune pour attirer les insectes. Donc il y a une assiette jaune avec un liquide dedans et les insectes se font piéger. Donc il y a l'odeur, la forme, le goût, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Taille, forme. La taille, forme, oui. il y a plein de choses, la profondeur, etc. Et bon, après on va parler de la longueur des langues des insectes, puisqu'il y en a plein qui ne peuvent pas aller polliniser certaines fleurs parce qu'elles sont trop profondes, d'autres elles sont trop courtes donc ça ne les intéresse pas parce que leur bouche est trop est longue, etc. Après il y en a qui trichent. Hein. Mais c'est les bourdons qui trichent. Ah, voilà. Et qui passent sur le... Tu ouais. penses au... Ah, ouais. Ils font des trous à la base des fleurs, c'est ça. Ils percent, la glycine par exemple. Ouais. Elle est percée, ils vont chercher le nectar directement. Ouais. Et effectivement, du coup, ils ne sont pas passés par le club des étamines où il y a les grains de pollen. Ouais, ça, vous pouvez le voir. C'est assez amusant à regarder. Une fois qu'il y avait le bourdon, il a fait un trou, ça profite à qui ? À personne ? Si, vous pouvez. D'autres petits insectes plus petits peuvent rentrer par le trou. Et en fait, la recherche a montré qu'il y a ce qu'on appelle de la transmission interspécifique, donc entre espèces différentes. Rien qu'en observant le comportement des bourdons, des espèces différentes comme l'abeille domestique, va comprendre que ça serait intéressant de passer par là pour aller chercher du nectar parce que c'est plus facile. Et les abeilles sont incapables de faire le trou dont on parle là. Et je vous invite à, là c'est le printemps, donc vous pouvez aller voir ça. Il y a plein de fleurs où vous remarquerez qu'il y a un petit trou à la base de la fleur. Ça va être souvent les lamiacées, donc tout ce qui va être sauge, sur la glycine évidemment, sur donc des fabacées aussi, ce type de fleurs qui sont plutôt longues et tubulaires. Les bourdons, le bourdon terrestre en tout cas, a une langue assez courte. Par contre, il a des mandibules acérées. Et avec ces mandibules, il fait un petit trou. Et il coupe, évidemment. Et il vole comme ça le nectar. Enfin, il vole. Il se nourrit de nectar et il ne passe pas par la case pollen. Alors, est-ce qu'on sait quels sont les couples inséparables entre plantes et insectes s'il y en a. Qui sont inféodés ? Je crois qu'il y en a. Oui. Il y a l'ortie. Justement, tu as parlé des orchidées, là. C'est vrai qu'il y a des exemples. C'est vrai que ça, c'est des exemples souvent dont on parle, qui sont assez frappants. C'est quand un insecte, une espèce en particulier, est lié à une espèce de plante en particulier. Et l'un ne peut pas exister sans l'autre. Et donc c'est le cas de certaines orchidées où les insectes se retrouvent avec les sacs de pollen sur la tête. Les orchidées, donc l'évolution, la coévolution est telle que l'orchidée ressemble à une femelle et sent la femelle de cette abeille. Le mâle se dit « Waouh, elle est trop belle cette femelle », il y va et il se tente de s'accoupler. On appelle ça une pseudo-copulation, puisqu'il n'y a pas une pénétration, ce n'est pas une copulation. Il va le faire une fois, il se retrouve avec les pollinies sur la tête. Il dit, je ne sais pas ce qu'il se dit, elle n'est pas très consentante. Il s'en va, il le fait peut-être une ou deux fois, puis au bout d'un moment, il va finir aussi par tomber sur une fleur femelle. Et là, le lien est très très fort. Souvent en exemple, vous trouvez une fleur à Madagascar qui est très très profonde, qui fait presque 25 cm. Et il y a un seul papillon avec une trompe de 25 cm qui peut la polliniser. Donc là, la coévolution, sans ce papillon, il n'y a pas... Et en fait, c'était des belles histoires. Donc il y a des insectes qui sont liés comme ça, mais il n'y en a pas tant que ça. Et finalement, de plus en plus, on se rend compte qu'en fait, la pollinisation, c'est une histoire d'interaction entre toutes ces espèces. Et c'est de plus en plus ce qui est montré par les études, on en parlera, le spipole, parce que je ne vois pas l'heure qui tourne. Ça tourne bien. Ah, ok. On en parlera, mais ça apporte beaucoup de choses. C'est un programme de sciences participatives, je vais en parler absolument. Mais c'est plus une histoire d'interaction, et il vaut mieux qu'il y ait plein de pollinisateurs qui aillent sur plein de fleurs différentes, le plus possible. Alors certains ne peuvent pas aller parce que la langue est trop courte, tout ça, bien sûr, il y a des barrières physiques parfois, mais sinon c'est une histoire quand même d'interaction, beaucoup plus que de liens très forts. Mais ils sont vraiment étonnants, ça nous épate, ces trucs de coévolution, vraiment l'un ne peut pas exister sans l'autre, quoi. En fait ça dépend, enfin nous en Europe on est un endroit où, enfin on est
Les histoires de coévolution très strictes comme ça, c'est aussi dans des milieux qui sont assez contraints. Il y a un exemple que j'aime bien, si je peux le détailler, qui est assez dingue. C'est en Australie, où pour le coup, c'est un paysage de bouche où il y a très peu de végétation diversifiée et très peu d'insectes diversifiés. Et là, c'est vraiment c'est ce qu'on appelle l'orchidée. C'est encore une orchidée, c'est l'orchidée marteau, qui, elle, a utilisé... L'évolution fait que elle fait du mimétisme avec une espèce de guêpe très spéciale. Déjà, la reproduction de cette guêpe-là, elle est assez étrange, c'est que la femelle n'a pas d'aile et elle va passer au moment où elle va être en stade de reproduction, elle va par instinct aller tout en haut de tiges d'herbacées assez haut comme ça et attendre qu'un mâle vienne la prendre et s'échapper au septième ciel pour copuler avec cette femelle, se nourrir sur quelques fleurs, puis redescendre à terre et cette femelle qui a du coup copulé va pondre des œufs et finir sa vie au sol. Il y a des orchidées qui ont vraiment une allure d'une tige sur laquelle serait suspendue une femelle éplorée qui attendrait un mâle qui viendrait l'emporter tel un prince charmant. Ce mâle arrive, pensant emporter une femelle, et il se trouve que donc, c'est le label qui est donc ce truc marronasse que vous voyez là, qui est transformé et qui a cet aspect de femelle. Il y a aussi des phéromones qui entrent en jeu, hein, les odeurs de femelle qui entrent en jeu. Donc il attire à la fois olfactivement, dans un premier temps d'abord, et ensuite visuellement. Sauf que il n'arrive pas à se barrer avec, et le label est accroché par un genre de loquet comme ça. Et qui fait qu'il y a un balancement qui se fait, lui il s'excite et essaye de le ramener avec lui, et c'est pour ça qu'on appelle l'orchidée marteau, le label fait que ce mâle va se taper la tête contre l'endroit où se trouvent justement les pollinies. Le pauvre. Alors l'importance, Isabelle, on passe à la deuxième partie, qui est malheureusement la raréfaction... des insectes. Oui, l'effondrement et de la biodiversité des populations d'insectes. Comment tout ce petit monde s'adapte, alors en particulier dans nos contrées, mais peut-être même ailleurs. Alors justement, je voulais dire ça tout à l'heure, quand on vous disait les abeilles, là, je vous disais le mâle abeille tente de s'accoupler avec l'orchidée. C'est pas une abeille qui fait du miel ou des ruches, je ne sais pas où vous en êtes en niveau entomologie, c'est la science des insectes. En fait, les insectes pollinisateurs sont incroyablement nombreux, et c'est vraiment le moment de le dire. Quand on s'intéresse aux insectes pollinisateurs, en fait, l'abeille domestique, c'est une espèce parmi 10, 15 000 espèces en France qui pollinisent toutes les plantes autour de nous. Les insectes pollinisateurs, donc les insectes, il y a plus de 40 000 espèces en France, dont au moins 15 000 qui pollinisent. Les pollinisateurs les plus fréquents sont, ça dépend des années, mais souvent les mouches. Donc les mouches font partie des pollinisateurs les plus actifs et les plus présents, à la fois en termes d'individus et en termes d'espèces. La moindre mouche que vous voyez passer, qu'elle soit amère ou non, une mouche domestique, etc., quand elle s'alimente, elle, quand il s'agit de s'alimenter, elle va en général sur une fleur. Il suffit de regarder sur une fleur, et c'est pour ça que je vais vous inviter à faire une galerie people tout à l'heure. Du coup, vous serez devant une fleur et vous verrez qui y passe. Donc les mouches, ensuite les hyménoptères, c'est-à-dire les guêpes, les abeilles, et les abeilles principalement. Mais quand on dit les abeilles en France, c'est 1000 espèces d'abeilles. L'abeille domestique à qui on vole du miel, c'est une espèce seulement. Et la plupart des espèces sont solitaires, vivent solitaires, comme un couple de mouches ou de papillons. Parce que solitaire, on pense que c'est une abeille domestique qui s'est, parfois on peut penser, qui s'est échappée en disant « Allez moi, et puis la vie en société, ras-le-bol, je vais... » Non, c'est pas ça, c'est que c'est des espèces qui ne vivent pas en société. Donc 990, enfin non, on va retirer les bourdons sont des abeilles, il y a une quarantaine d'espèces, merci. Mais en gros, 950 espèces d'abeilles en France vivent de façon solitaire. Donc vous voyez, donc en entomologie, les abeilles ne sont pas des insectes sociaux, ne vivent pas en colonie, disons la plupart des espèces. Les guêpes, vous êtes tous et toutes bien assises, c'est plus de 8000 sortes en France. Si vous êtes normalement constitué, vous en connaissez une, voire deux, c'est le qui pique. Mais qui se ressemblent.
Bon, non, c'est très très rare ça. Celle qui vient parfois à table, parce qu'elles sont, elles ont une partie de leur régime alimentaire qui est nécrophage, et enfin en fait c'est plutôt les larves qui sont nécrophages. Elles cherchent des cadavres d'animaux, et parfois il y a des cadavres d'animaux dans vos assiettes. Et donc celle-là, c'est à deux espèces qui viennent à table qui sont assez gonflées sur 8000. C'est-à-dire que vous voyez, on ne sait même pas, et quasiment les 8000 butinent. Enfin, une immense partie des guêpes butinent dans leur vie. Donc la guêpe qui est venue dans votre assiette, elle est venue chercher un morceau de cadavre. Ça permet de nourrir les larves au nid. En revanche, quand il s'agit de se nourrir, elle va sur les fleurs. Et comme les mouches, elle participe à la pollinisation d'un nombre de fleurs incalculables qui ne sont pas pollinisées par les abeilles domestiques ou d'autres abeilles, par exemple. Comme les fleurs de carottes. Les fleurs de carottes ou de fenouil sont plutôt pollinisées par des insectes qui ont des langues un peu courtes, comme les guêpes ou les mouches. Les abeilles vont les délaisser, ça ne va pas les intéresser. Ensuite viennent les papillons, ça vous parle, c'est les insectes des grandes ailes. Il y a 5000 sortes de papillons en France, tous ne butinent pas, et puis mais quand même une grande partie butine, dont ceux qui sont nocturnes, puisqu'il y a des fleurs qui sont pollinisées la nuit. Viennent ensuite les punaises, pas mal de punaises participent à la pollinisation. Puis après, il y a plein d'autres insectes un peu plus méconnus. Et ça va jusqu'à les moustiques, tout à fait. Oui, alors les moustiques. On pourrait le mettre dans le grand groupe des diptères, des deux ailes, avec les mouches. Je ne sais pas s'il est inclus dans les diptères. Enfin, il est inclus dans les... Bien sûr que c'est un diptère, mais est-ce qu'on le compte dans le paquet? Oui. Ce n'est pas les meilleurs pollinisateurs du monde. Mais peu importe, il n'y a pas de compétition, mais ils participent à la pollinisation. Et puis jusqu'à la fin, et c'est un peu l'anecdote qu'on aime bien, c'est qu'il y a même des araignées qui pollinisent, parce qu'il y a plein d'araignées qui mangent des pollinisateurs, et donc où trouver des pollinisateurs? Ben sur les fleurs. Mais je pense que vous les avez déjà parfois vues, j'espère quand même, hein, des araignées crabes un peu blanches, roses, hein, qui sont sur les fleurs. Alors c'est vrai qu'on ne les voit pas, si vous ne penchez pas sur les... Mais elles attendent les pollinisateurs, et du coup, c'est vrai que là, en revanche, elles se frottent, enfin, elles n'arrêtent pas de vivre leur vie sur des fleurs, etc. Donc, c'est au-delà de l'imagination, de l'entendement, le nombre de pollinisateurs qui existent autour de nous, et surtout comparé à la sensibilisation qu'on vous fait aux insectes au cours de votre vie, qui est un peu réduite. Du coup, vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a 8000 sortes de guêpes qui vivent autour de vous. Et donc... C'est une des grandes qualités, enfin avantages des insectes, c'est qu'ils sont très diversifiés en espèces, mais un défaut, c'est qu'ils sont parfois très spécialisés et il leur faut des conditions environnementales qu'on ne trouve pas de moins en moins dans nos paysages urbanisés. Voilà, c'est trop entretenu, c'est la principale raison de la disparition des insectes à ce jour, c'est comment on occupe l'espace, que ce soit dans un jardin ou un champ, si c'est trop entretenu, mais on a quand même fait en sorte qu'il n'y ait pas d'insectes, parce qu'il y a quand même quelques espèces qui nous embêtent dans nos champs, qui mangent nos récoltes, donc on a quand même organisé les paysages pour qu'il n'y ait pas trop d'insectes, mais en fait, en faisant ça, on a aussi supprimé tous les autres insectes. Et donc, s'il n'y a pas cette diversité d'insectes, ni cette diversité de fleurs, etc., ben on n'a pas de biodiversité. Et François, on peut rappeler très brièvement, la population des insectes, elle est en baisse. Il y a des groupes qui sont plus touchés que d'autres. Et on a perdu combien d'insectes en 20 ans, par exemple? Est-ce qu'on a des espèces qui sont complètement disparues? Ou est-ce que c'est une baisse très progressive des populations? Alors, presque le pire dans tout ça, ça m'amusait aussi quand j'avais découvert la liste, il y a des espèces protégées en France, je ne sais pas si vous savez, de tête c'est environ 150 ou 149 par rapport aux 50 000, la plupart c'est des papillons, comme par hasard, ensuite il y a quelques coléoptères, les choses qui brillent, les scarabées, comme par hasard, en fait c'était juste parce que les entomologistes, il y a plus d'entomologistes qui s'intéressent aux papillons, ils sont un peu comme vous, il y en a plus qui s'intéressent aux scarabées, tout ça, donc ça avait une valeur symbolique, cette liste de 150 espèces, mais bon, ça ne veut pas dire grand chose, parce que des spécialistes, des petites mouches noires grandes comme ça, il n'y en a pas, ou très peu,
et personne ne sait vraiment qui disparaît vraiment. Donc on en a un peu aucune idée, c'est pas facile. Il y a quelques espèces un peu emblématiques qu'on connaît, ben là on sait que, mais dans l'ensemble, sur les 50 000 espèces, c'est difficile de savoir, du coup, à tel point que quand vous entendez parler de l'effondrement des populations d'insectes, en fait, vous entendez parler de l'ensemble des insectes, mais c'est-à-dire de la quantité, mais pas la qualité. Ils ont piégé des insectes pendant des années à certains endroits, et ensuite, ils ont juste pesé ce qu'il y avait dans le piège. Mais ils n'ont pas... Pas fait dans le détail. Ils n'ont pas fait dans le détail, et c'est ça que vous entendez. Donc à certains endroits, c'est moins 30, moins 20%, à certains endroits, c'est moins 50, ça va jusqu'à moins 70 parfois. Et c'est ça qui nous inquiète. Mais alors, on ne sait pas très... Qualitativement, on ne sait pas trop, quoi. C'est surtout la quantité. Ce qu'on appelle l'abondance. Et y a peut-être, vous avez entendu parler d'une étude qui a regardé ça au niveau des... Alors peut-être, je pense que vous êtes un peu comme moi, quand vous étiez petit et qu'on faisait des grands trajets en voiture... On devait s'arrêter pour nettoyer le pare-brise. Vous vous rappelez de ça ? Oui, bien sûr. Voilà. Oui. J'imagine que maintenant, vous ne le faites plus. Ou alors, si vous le faites, dites-moi. Parce que ça fait très longtemps qu'en Blablacar ou quoi, on ne fait plus ça. On n'a plus besoin de le faire, finalement. C'est plutôt cool, non ? Donc, les Tesla blanches immaculées, elles ne vont jamais connaître le besoin d'être nettoyé à cause des moucherons écrasés. Et en fait, c'est un effet qui a été... je ne sais plus trop vraiment si c'est des utilisateurs qui se sont rendus compte de ça. Il y a eu un effet un peu aussi d'opinion publique sur « Ah oui, en fait, on n'a plus besoin de faire ça. » Ça voudrait peut-être dire qu'en fait, il y a moins d'insectes qu'avant. Enfin, ça ne veut pas dire qu'ils ont compris qu'il faut s'éloigner des voitures. C'est peut-être qu'il y a un déficit d'insectes volants par rapport à quand on était plus jeune. Il y a une étude danoise qui a regardé ça, qui appelle du coup le Forudo-effekten, c'est l'effet pare-brise. Et ils ont analysé en fait la quantité, donc c'est vraiment de l'abondance. Hein, ils n'ont pas fait dans les détails, c'est pas du qualitatif en termes de différentes espèces, mais par contre ils ont pu quantifier sur un même tronçon d'autoroute avec les mêmes conditions météo, il me semble c'était 20 ans d'intervalle. L'abondance qui avait diminué de 70% sur ce tronçon-là de route. Et alors, il y a eu la même étude en France, et c'est moins 30% de mémoire, et c'est sur une route de Fontainebleau qu'un chercheur de l'INRA avait fait avec une Talbot, une voiture. Et ils ont repris la même voiture. Il avait mis des autocollants à l'avant pour choper tous les insectes en avançant. Ouais. Et il avait fait ce truc-là en 79. Il avait quantifié le nombre d'insectes qui se faisaient tuer par les voitures. Et une équipe de recherche l'a refaite il y a quelques années. C'était à peu près moins 30 ou 35%. Ouais, donc ça, c'est des conditions différentes, mais en tout cas... C'est... Mais quoi qu'il arrive, depuis 1979, même si c'était 5% ou 10%, c'est beaucoup. 30%, c'est énorme, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc c'est ça qui nous rend, on ne sait plus trop. Alors après, on se dit, mais comment c'est possible autant ? Est-ce que ça a changé autant ? Alors du coup, là, il y a des études qui montrent que le climat gêne beaucoup les insectes, apparemment aussi. Donc il y a des trucs qui s'ajoutent petit à petit. Mais en tout cas, ne pensez pas qu'on sait tout, du tout, parce qu'il y a quand même très peu d'entomologistes. Donc, d'ailleurs, si vous aviez des reconversions à faire ou des velléités à changer de job, tout ça, bienvenue en entomologie, parce qu'on n'est pas très nombreux. Depuis tout petit, on ne nous dit pas soit insectologue, soit insectologue. Non. Donc, il y a très peu de gens. Et donc, les études, c'est vraiment à l'arrache. Enfin, il n'y en a pas tant que ça. Mais ceci dit, en fait, y a, pour revenir aussi sur les causes, je pense qu'il y a un mot qu'il faut qu'on dise, c'est que, enfin, tu l'as dit, hein, c'est qu'il y a on fait place rase des insectes qu'on ne veut pas dans nos cultures, et donc on utilise des pesticides, des insecticides, des herbicides. On utilise encore en agriculture conventionnelle, et là, il y a quand même beaucoup d'études qui montrent l'impact néfaste de ces pesticides sur, alors beaucoup sur l'abeille pour le coup, sur bourdon, après moi c'était... En partie, mon sujet de thèse de regarder l'impact des pesticides sur le comportement des abeilles. Alors, je parle de comportement parce qu'en fait, les doses qui sont utilisées légalement, c'est des doses qui sont dites sublétales, donc en dessous de l'effet mortel pour les insectes pollinisateurs ou bienfaiteurs, je ne sais pas comment on dit, et mortel pour ceux qu'on ne veut pas. Et certes, c'est sublétal, ça ne va pas les tuer, mais par contre, on a pu montrer avec, pour le coup, énormément d'études que ça a des impacts sur leur comportement, ça altère leur mémoire, ça altère leur cognition, ça les perd complètement. Il y a une grosse étude d'Avignon qui a fait pas mal parler d'elle et qui a permis d'amener jusqu'à un moratoire sur les néonicotinoïdes à un moment.
entre autres. Et en fait, ils ont utilisé des technologies pour voir est-ce que les abeilles qui avaient subi un shot de pesticides étaient capables de revenir jusqu'à la ruche si on les lâchait un peu plus loin. Et là, il y avait un défaut de retour à la ruche. Donc, elles n'étaient pas mortes, mais en fait, elles étaient perdues, quoi. Et si elles sont perdues une nuit ou deux, en fait, au bout d'un moment, elles meurent. Oui, puis il y a quand même une chose qu'on n'arrive pas à quantifier, c'est les effets cocktails. Hein. Parce que les insectes, ils prennent les pesticides pour un truc, ils prennent les insecticides pour un autre, ils en reprennent ailleurs, ils en mangent dans les plantes. Enfin, ils en ont vraiment... on ne teste jamais qu'un produit à la fois. Mmh. Ouais, il y a quelques études quand même sur l'effet cocktail et montrer que c'est des synergies qui, alors on comprend pas forcément encore les mécanismes, qui sont qui augmentent pas forcément de manière additionnelle, c'est-à-dire que ça fait vraiment une synergie où ça explose en termes de détérioration de communication nerveuse par exemple, ou en termes de mortalité de certains neurones au bout de quelques années. Ça c'est des études de laboratoire, nous on faisait beaucoup d'études de laboratoire. Après les études de terrain, la difficulté c'est de faire de la corrélation entre ce qu'on peut voir sur du comportement animal, ce qu'on peut voir sur de la mortalité de population, et justement ce qu'on peut voir au niveau écologique, et en fait ça devient quelque chose de multifactoriel. L'intérêt de pouvoir faire des tests de laboratoire, c'est qu'on peut isoler les facteurs et regarder vraiment au niveau moléculaire, au niveau neuronal, est-ce que ce facteur-là peut avoir un impact. Mais on va avoir des doses qui ne miment pas forcément la réalité. On va utiliser des doses en laboratoire qui sont potentiellement plus fortes, ou en tout cas qui ont une fréquence plus ou moins forte. Et toute la difficulté, c'est de se rapprocher le plus de ce qui se passe dans notre monde réel. Parce que derrière ça, ça permet aussi d'avoir du poids pour permettre des régulations et des lois qui ont du sens pour la biodiversité. Oui, et l'effet cocktail, c'est pas facile, hein, parce que s'il y a une molécule là et l'autre là, on ne sait pas si elles interagissent, c'est quand même pas facile. Et c'est multifactoriel, merci de l'avoir dit, effectivement, c'est plein de facteurs, c'est pas facile de les mesurer. Il y a aussi, par exemple, le fait que, en tout cas, ça a été montré chez les abeilles domestiques, parce que c'est celles qui sont faciles à étudier, c'est celles qu'on a, etc. C'est difficile d'étudier les autres. Puis les abeilles domestiques, elles ont aussi une qualité pour nous, en tout cas, c'est qu'elles sont présentes toute l'année, alors que beaucoup de tous ces insectes pollinisateurs dont je vous ai parlé ne vont être présents que pendant un mois. Genre, je ne sais pas, telle abeille sauvage va être présente en avril, point. Puis après, c'est les larves qui sont sous terre ou dans une tige et... Donc elle va avoir un rôle dehors pendant un mois seulement, alors que l'abeille domestique, c'est toute l'année. C'est le manque de diversité aussi. Genre, pareil, si vous mangez que du fenouil, vous allez être malade. Ça a beau être très bon, le fenouil, mais il va vous manquer plein de choses si vous ne mangez que du fenouil. Et c'est vrai que si elles prennent que le même nectar ou que les mêmes, elles vont être un peu en carence nutritive aussi. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur la diversité floristique. Pour à la fois pour avoir plein d'espèces et puis pour que les insectes puissent être aussi en bonne santé. Alors François, moi j'avais une question. Est-ce que des espèces qui viennent d'ailleurs, je pense par exemple au frelon asiatique dont tout le monde veut la peau, est-ce que ce sont des espèces utiles ? Est-ce que ça fait partie des nouveaux insectes qu'on peut trouver ici et là et qui vont être des bons pollinisateurs ? Par exemple, hein, je pense aussi aux moustiques où vous disiez qu'ils pollinisent un petit peu, mais ça pique. Mais les frelons asiatiques, vous êtes très partagés sur le sujet parce que je crois que ce sont de très bons pollinisateurs. Alors moi, je suis pas partagé sur le sujet du tout. Vous êtes pour ? C'est pas que je suis pour, c'est que j'aime la nature, j'aime les animaux, point. J'ai pas mes têtes. J'aimerais l'abeille pour lui voler du miel, parce qu'elle me fait un petit business ou un hobby, et je détesterais le frelon asiatique. Non. Moi, j'aime les animaux. J'aime les animaux non humains. Mais alors, il a des qualités, ce frelon asiatique. Homo sapiens, parce que vous êtes... Oui, vous êtes bien sapiens. Me demande, est-ce que c'est utile ? Homo sapiens, ça, je sais que ça vous fait bondir. Pose cette question. Homo sapiens, l'animal le moins utile écologiquement sur Terre, ose me demander est-ce que ça c'est utile ? La bonne blague. Derrière utilité, il faut penser anthropocentrisme, anthropomorphisme. En fait, il faudrait rajouter utile pour moi, pour mon espèce.
mais personne n'est utile ou inutile, parce que si on commence à parler d'utilité, ben ça voudrait dire qu'il y a des espèces inutiles. Donc les inutiles, on peut en faire ce qu'on veut. Et puis quand on demande utile, ça veut dire un utile écologiquement. Mais que fais-tu, sapiens, toi, écologiquement? Tu sais bien que tu as un impact négatif, donc du coup, ça voudrait dire que tu es inutile, que je peux en faire ce que je veux, etc. Non. En fait, c'est un sujet que j'aime bien, mais vous voyez, c'est intuitivement, ah oui, c'est très utile, les abeilles, ah, c'est très utile, ceci. Mais en fait, quand on creuse le sujet, ça voudrait dire que nous, on est complètement inutiles écologiquement. Il vaut mieux avoir des moustiques sur Terre que des sapiens, si on parle d'utilité écologique. Les moustiques sont bien plus utiles écologiquement qu'Homo sapiens, on est d'accord. Donc du coup, c'est pas une bonne... Bon, merci de me permettre de parler de ça. Et puis surtout, si on parle des frelons, il est trop tard pour les éradiquer. C'était un peu le but parfois quand une espèce vient d'ailleurs et qu'on ne la veut pas. Il est trop tard de les éradiquer, ils sont là, voilà. Vous n'êtes pas apiculteur, apicultrice. Vous pouvez vous dire que la biodiversité des frelons a doublé. Yeah. Ok, bon, bah là, personne n'est content, d'accord. Quand la biodiversité augmente, descend, c'est la cata. Quand ça augmente, on n'est pas. Non, mais surtout, ils sont là. Voilà, c'est une espèce européenne maintenant, depuis bien longtemps. Ils s'appellent les frelons à pattes jaunes. Ils participent à la pollinisation. Ils mangent aussi des guêpes. Les guêpes qui vous ennuient à table sont désinguées par les frelons à pattes jaunes. Les mouches à merde sont désinguées par les frelons à pattes jaunes, et ceux qui vous en parlent, c'est ceux qui volent du miel contre leur gré aux abeilles domestiques. Donc, on peut dire, moi, je préfère voler du miel et j'aime ça, je veux voler les abeilles contre leur gré, et donc tous ceux qui m'empêchent de le faire, je les aime pas. C'est OK, mais qu'on ne raconte pas d'histoire d'utilité, un peu de baliverne, de bullshit. Surtout, les frelons sont là, on n'y peut rien. Et quand j'entends récemment les syndicats apicoles qui nous demandent de piéger à tout va, alors déjà, c'est inutile de piéger. Si vous, éventuellement, autour des ruches, si vraiment, voilà, si vous êtes concerné directement par les frelons à pattes jaunes, mais c'est inutile de piéger. Vous chopez des millions d'insectes autres que les frelons à pattes jaunes, dont des abeilles domestiques, dans les pièges dits sélectifs. Où vous trouvez les plants, c'est un piège soi-disant sélectif. Ben, les abeilles domestiques se font même piéger par les frelons à pattes jaunes. Par les pièges destinés aux frelons à pattes jaunes, c'est inutile tout ça. Et surtout, mais qu'est-ce que c'est que cette mentalité qu'on continue à entretenir, je parle même philosophiquement parlant, de disposer des animaux non humains comme bon nous semble, il y aurait des bonnes et des mauvaises espèces. Et je trouve que, juste en termes d'image de notre rapport vis-à-vis des animaux non humains, je trouve ça déplorable. Qu'on me dise, moi je veux du miel, machin et tout, donc celui-là je ne veux pas le blairer, ok, mais qu'on ne me raconte pas que ce serait le danger public, que tout ça, que ce serait lui qui fera. Parce qu'en fait, l'apiculture, elle a plein de problèmes. Et c'est vrai que c'est rajouté un problème, mais qui avait le parfait profil du serial killer, made in China, il a passé la frontière sans papier, et il s'est attaqué au seul insecte qui avait un syndicat, l'abeille domestique. Il serait attaqué aux mouches à merde ou aux moustiques tigres, on les élèverait, les frelons à pattes jaunes. Donc c'est parfait pour le monde apicole de se jeter là-dessus, de dire aidez-nous, regardez, il y a des affreux, le péril jaune. Alors qu'en fait, le principal problème de l'apiculture. Doucement, François. Oh, voilà. Non, mais c'est surtout une relation aux autres animaux que je trouve exécrable. Derrière des balivernes, parce qu'on a envie de continuer à avoir un hobby ou une activité économique. Mais le principal problème de l'abeille domestique, c'est Homo sapiens. Voilà, c'est ça le principal problème, qui les a hybridées depuis des siècles, tout ça, en faire des petits... plein de choses qui... Elles ont du varroa, elles ont des parasites, elles ont des acariens parasites, elles ont des maladies, elles ont plein d'autres, etc. Mais les pivers attaquent les ruches l'hiver, des mulots, des trucs, personne ne vous en parle. Le sphinx tête de mort, le magnifique sphinx qui a une tête de mort là, sur le thorax derrière, il rentre dans les ruches, il leur vole du miel, etc. Non, le frelon à pattes jaunes a bon dos. Si vous faites de l'apiculture et que vos abeilles sont faiblardes, tout ça, et que vous avez des frelons à pattes jaunes autour de vous qui se sont installés et qui viennent par dizaines, c'est horripilant, ok.
Voilà, mais c'est le problème de cette personne, etc. Ça, je le compare souvent au loup et aux brebis, c'est-à-dire que du coup, votre métier a changé maintenant, et c'est vrai qu'on n'aime pas trop le changement, c'est embêtant. Avant, on était un peu pépouze, les brebis se baladaient tranquilles dans la montagne, et le loup est arrivé, ah mince, il faut les protéger, tout bon. Oui, ça change. Il y a surtout un truc qu'on ne dit jamais, et je reviens là-dessus, c'est que le miel, ce n'est pas anodin. On vole du miel à un insecte qui ne le fait pas pour nous. Les brebis, ce n'est pas anodin. On les élève pour faire du gigot d'agneau. Qui remet en cause ça? On est là, oui, mais on... Non. C'est un rapport aux autres animaux qui est ultra violent derrière l'apiculture et derrière l'élevage de brebis. Parce que les brebis, elles servent à faire des lasagnes au bout de 6 ans, ou des chaussures, ou tout ce que vous voulez. Et on va les tuer et on les fait devenir enceintes pour qu'elles fabriquent du miel. Du lait. Non, parce que là, il serait passé énormément de choses, en fait. Là. Du lait, pardon, oui. Du lait, et donc on leur fait faire des agneaux, et c'est pour ça que vous avez des gigots d'agneaux, parce que, voilà, donc on entend les éleveurs et les éleveuses dire « Ah, c'est affreux, le loup, regardez, mes pauvres brebis sont... » Mais enfin, ils les élèvent pour les tuer et pour leur voler leurs enfants et en faire des gigots d'agneaux. Les apiculteurs volent le miel, il n'y a aucune abeille qui se lève le matin pour fabriquer du... Voilà. Et en plus, ce sont des pollinisateurs, pour revenir au sujet. Voilà, c'est ça. Revenons au sujet. Donc, ce sont de bons pollinisateurs. Oui, plutôt. Correct. En tout cas, certaines fleurs, tout à fait. En fait, ils sont là, point. Voilà, on n'y peut rien, ils sont là. D'accord. Oui, parce que, alors, j'ai lu une étude, le résumé d'une étude, où il était dit... que comme il y avait de moins en moins d'insectes, les fleurs qui avaient déjà cette possibilité de s'auto-féconder voyaient cette capacité renforcée. Ça concerne quel type de fleurs? Est-ce que c'est une espèce particulière? On en trouve partout. Et comment c'est possible? Alors c'est tout à fait possible. Déjà ça pose la question aussi de... En biologie, rien n'est noir ou blanc. Quand on parle de plantes qui sont pollinisées par des insectes, en fait, il y a une partie, aléatoirement, de pollen qui va tomber sur le pistil de cette même fleur. Et en fait, il y a une partie des graines qui va être issue d'une autofécondation, quoi qu'il arrive, sur la majorité des fleurs qui sont pollinisées par des insectes. Donc, en fait, même s'il y a des mécanismes, et j'en parle beaucoup dans mon livre, qui permettent de réduire fortement la probabilité de récupérer son pollen et de se l'auto-féconder, donc de faire de la consanguinité, c'est ça le mot qu'on n'a toujours pas dit tout à l'heure, mais c'est un peu ça qui se passe si on fait de l'auto-fécondation. Et on sait que la consanguinité, c'est pas foufou. Hein. Oui, c'est ça. À papa ou tata. Oui, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il y a des risques? C'est quoi? C'est des problèmes d'affaiblissement? Alors, il y a des problèmes d'affaiblissement. C'est quoi? C'est surtout ça. En fait, il va y avoir des problèmes de fertilité et de réduction. Il y a une étude qui a montré sur. Pour des besoins économiques, pour le coup, ils ont regardé qu'est-ce qui se passe si on prive des fraisiers et des framboisiers de l'agent pollinisateur qui est l'abeille dans ce cas-là, ou le bourdon, ou un insecte pollinisateur, et qu'on laisse que le vent, donc encore une fois de la pollinisation croisée, avec du vent qui véhicule le pollen, ou qu'on bloque carrément et qu'on ne permet qu'à la fleur de s'auto-polliniser. Et après, ils ont fait des études statistiques pour regarder en fait quelle est la qualité des fruits issus de ces fleurs sous les trois conditions, ainsi que la qualité des graines, et surtout la qualité des graines à se reproduire derrière en faisant de nouveaux plants. Ils ont montré que celles qui sont pollinisées par tous les insectes qui pouvaient, le plus ouvert, premier stade, on avait des fruits charnus, on avait un pourcentage de succès reproducteur qui était fort, et ce pourcentage réduisait avec le vent, on était avec un peu moins de graines, un peu moins d'ovules sur la fraise, et donc de graines qu'on pouvait retrouver sur le fraisier, parce qu'en fait, par chance, il y a moins de pollen qui est tombé là, et par auto-pollinisation, ils trouvaient que c'était encore pire, et surtout que le fruit était beaucoup moins, en moyenne, les fruits étaient beaucoup moins charnus et beaucoup moins développés. Et donc voilà, c'était une preuve du bénéfice des abeilles, ou en tout cas de la pollinisation croisée, et du fait qu'une pollinisation, auto-pollinisation était globalement néfaste. François ? Oui, voilà. Et ce qui semble, c'est qu'une grande partie, en fait, plus que ce que je croyais avant, des fleurs peuvent être s'auto-féconder, et ça va. Mais en fait, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. C'est surtout ça.
c'est ce que montrent les modèles mathématiques, c'est que si vous, la même population, vous la laissez s'autoféconder, ben elle finit par disparaître. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est des disparitions de lignées, donc, c'est ça? Oui, elles sont plus adaptées et finalement, ça finit par péricliter. Alors que celles qui sont fécondées de la même, ben là, elles ont un avenir. Donc, ça, c'est plusieurs années, souvent, mais à la longue, il vaut mieux quand même faire du sexe croisé, de façon croisée, plutôt que de s'auto... Donc ça peut être temporaire, beaucoup peuvent le faire, et le font parfois. Mais alors pourquoi c'est temporaire? Ouais. C'est pourquoi ça arrive en fait? C'est des conditions climatiques? Il n'y a pas assez d'insectes? C'est quoi les conditions de l'autopollination? Pourquoi elles s'autofécondent au bout d'un moment? Alors, c'est pas forcément au bout d'un moment, c'est que ce qu'on disait, c'est que proportionnellement, il y a une partie en fait, du pollen qui va se retrouver et qui va faire qu'on a de l'autopollinisation par chance, j'ai envie de dire. Enfin, c'est... Et le fait qu'on ait un déficit d'insectes pourrait expliquer que par chance, y a une elles proportion plus forte. Cette capacité-là. Et alors, par contre, effectivement, il y a quelques plantes dont on a pu étudier des capacités à favoriser, sous certaines conditions, l'autopollinisation, parce que finalement, c'est mieux que rien. Enfin, c'est un peu le truc, c'est que si les insectes ne sont pas venus faire leur travail et n'ont pas fait de pollinisation, à la fin de la saison, quand c'est le cas de la violette, c'est ça? C'est le cas de la violette et surtout le cas ça, de la nigelle. Hein. Et de la nigelle de Damas. Voilà. La violette, en fait, ce qui va se passer, c'est que la majorité des fleurs, on les voit bien, on les sent aussi. Hein. La violette a une odeur assez suave. Elles attirent les insectes et il y a de la pollinisation croisée par les insectes. Mais si on regarde au pied de la violette, si on déterre un peu la violette, en dessous des feuilles, on va retrouver des petits boutons qui ne vont jamais fleurir. Et en fait, à l'intérieur de ce bouton, il va y avoir une autopollinisation et on va avoir des graines qui vont, malgré tout, se développer. Qui vont, et statistiquement, on a pu montrer que ces graines-là, elles sont moins performantes. Mais s'il n'y avait que ces graines-là, comme on le disait, les violettes ne pourraient plus exister. Mais malgré tout, si jamais ce plant de violette n'est pas accessible ou s'il y a un déficit d'insectes à cet endroit-là, la violette pourra perdurer. Et en fait, ça, stratégiquement, ça permet finalement à une plante, à une espèce, de perdurer malgré des fluctuations dans le milieu. D'un coup, dans le milieu, il y a un déficit d'insectes pollinisateurs, parce que aléa climatique sur cette année-là, il y aura quand même une continuité dans la lignée, même si elle affaiblit, pour qu'il y ait d'autres fleurs qui arrivent et que si les conditions sont favorables ou grâce au transport, on arrive à mettre une fleur dans des conditions favorables avec des insectes pollinisateurs, on puisse reprendre l'histoire. Pour la nigelle, c'est assez marrant. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander d'expliquer parce que là, on est, c'est de la, c'est Madame qui va aller chercher Monsieur. Si c'est j'ai ça, bien ouais. C'est que donc la nigelle de Damas, c'est une fleur. Je ne sais pas si vous voyez à peu près la fleur. On peut manger les graines, ce qu'on appelle le cumin de Damas. Des prés. Le cumin noir. Ouais. C'est un petit goût de fraise tagada d'ailleurs. Et donc la nigelle, la voici. Voilà, pour, donc là, effectivement, on voit un azuré, c'est ça, hein? Alors, est-ce qu'il pollinise? Il est azur, même couleur que les pétales. Un pétale, hein, au passage, de notre nigelle. Et en fait, vous voyez que la nigelle, donc anatomie, on n'a pas beaucoup fait. Les filets avec les anthères, là, donc les étamines qui sont ici, sont les parties mâles où vous avez les grains de pollen. Et là, en fait, tout ce que vous voyez là, en fait, ça fait partie du pistil. Au fond de la fleur, tout caché là, on a les ovules qui vont recueillir les spermatozoïdes et finalement donner ce cumin noir, donc les graines, au bout d'un moment. Et vous voyez que ces stigmates là, donc le haut du pistil, il est un peu tortueux comme ça et c'est comme des grandes tentacules, ouais, des tentacules de poulpe. Vous voyez que derrière, il est encore plus tentaculaire et finalement, vous voyez même celui-là. Il est parti carrément chercher du pollen tout seul. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure de la saison, si jamais il n'y a pas eu de fécondation par un insecte, le stigmate va pousser, donc le pistil va pousser. Et c'est vraiment sur les parties non, ça va s'allonger. Sur les parties non fécondées, ça va s'allonger et ça va permettre malgré tout d'avoir la production d'une graine à cet endroit-là. Il y a énormément de graines, hein, sur une même plante de nigelle, donc c'est possible qu'il y ait une grosse partie de graines qui soit issue d'une pollinisation croisée et une partie des graines qui soit issue de cette pollinisation made in house, quoi. Homemade. Alors, mais justement, les études là qui montrent que certaines plantes, parce que on peut entendre ça en se disant, oh bah finalement, elle n'a pas besoin d'insectes, elle s'autoféconde. Mais donc c'est ce qu'on a remarqué. Là où il y avait moins d'insectes,
une partie des fleurs se mettaient à faire de l'autofécondation beaucoup plus qu'avant. Seulement, voilà, je leur dis, sur du long terme, c'est pas viable. Donc, c'est, bon, voilà, ça aurait été chouette de pouvoir se passer des frelons à pattes jaunes ou des abeilles. Et non. Et voilà. Peut-être éventuellement, il y a par exemple le pois, c'est le petit pois et les pois en général. C'est une exception finalement parce que la majorité des pois sont des espèces qui sont à 80-95% autopollinisées. Il y a malgré tout, quoi qu'il arrive, un petit peu de sang frais, enfin de pollen frais qui arrive à un moment pour augmenter la diversité génétique de l'espèce. Il me semble que chez le pois, on a d'autres mécanismes avec des mutations préférentielles. Enfin, en fait, par exemple, le soleil, c'est un agent mutagène très fort avec les UV. C'est pour ça qu'on met de la crème solaire. Et en fait, ça permet de brasser, de faire des mutations qui permettent aux espèces de continuer à évoluer dans des milieux changeants. Et là, on voit bien que l'évolution, en fait, c'est sur un pas de temps très, très, très long. Enfin, c'est des générations, des générations, des générations. On pourrait imaginer que peut-être l'absence d'insectes puisse amener ça. On peut le conscientiser, on peut l'imaginer sur un temps long. Sauf que l'humain arrive, sapiens arrive, et qu'on est un accélérateur très fort de ces enjeux de mise en contact, de détérioration de l'environnement. On utilise souvent le terme d'anthropocène. En fait, on est entré dans une ère où en fait, l'humain, avec un grand H, est une force perturbatrice très forte. Et vis-à-vis de l'évolution et de ces histoires de coévolution, où les temps de génération entre insectes, les temps de génération entre fleurs, sont plus longs malheureusement que notre action d'humain dans nos sociétés thermo-industrielles, où en fait on va trop vite pour le vivant. C'est pour moi un des enjeux là. Et du coup, voilà, trop vite pour le vivant. Une des réponses à ça aussi, c'est de ralentir nos vies. Enfin, Justement, je pense que c'est l'objet de notre dernière partie. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un jardin, quand on a une terrasse, quand on a envie de faire quelque chose ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les plantes et les insectes à vivre un peu sans nous ? À avoir une vie sexuelle épanouie. Vous avez donné la réponse ? Voilà. On peut le dire comme ça. Quels sont nos moyens ? Ben, je peux commencer par le spipole, ça y est, je vais le placer. Qui ne connaît pas le spipole ? Yes ! J'aurais servi quelque chose, ça c'est cool, pour l'OPI, l'Office pour les insectes et l'environnement. Le spipole, c'est le suivi photographique des insectes pollinisateurs. C'est un programme de science participative, c'est quand on demande aux citoyens et aux citoyennes d'aider les scientifiques parce qu'ils ne sont pas assez nombreux pour avoir des infos. Et là, on n'avait pas beaucoup d'infos sur les pollinisateurs. Il y a très peu d'entomologistes, je vous l'ai dit, Erodi. Et donc, on a imaginé un programme où, avec un protocole particulier, parce que, évidemment, ils savent que vous n'y connaissez rien en insectes pollinisateurs. On est OK, voilà. Donc, le protocole est simple. C'est toujours simple, un programme, parce qu'il y a plein de programmes de sciences participatives où vous demande de compter les oiseaux, les papillons dans les jardins, ou les escargots, les oiseaux, etc. Et là, il y en a un qui est spécifique aux insectes pollinisateurs, et il marche à fond, parce qu'il plaît beaucoup, il est basé sur la photo. En fait, il faut faire des photos pendant 20 minutes de tous les insectes qui se posent sur un même massif de fleurs, de la même espèce. C'est le protocole. De toute manière, quand vous lancez l'appli, il y a les 20 minutes qu'il y a un décompte et il vous arrête. Et à la fin, vous photographiez tous les insectes qui sont posés sur une fleur, si possible différents. Alors si vous avez un doute, vous le prenez quand même en photo, parce que c'est sur le nombre d'espèces, pas le nombre d'individus. Donc s'il y en a deux, vous voyez que c'est le même individu qui a fait ça, qui revient, pas la peine de le prendre en photo. Et puis à la fin, vous avez une aide à l'identification. Et donc on vous fait dégrossir et là vous allez devenir hyper fort, hyper forte en insectes pollinisateurs parce que vous avez, ah bon ça c'est une mouche, ah bon ça c'est une punaise, ah bon ça c'est une abeille, ah bon ça c'est une guêpe, c'est dingue, ben, bref ça ressemble à oui. Et vous dégrossissez et ensuite vous envoyez votre galerie. La galerie c'est toutes les photos que vous avez prises. Et là, vous faites un bien fou pour l'humanité, pour le muséum et l'Office pour les insectes et leur environnement qui anime ce programme. Mais quand je vous dis que c'est un programme qui marche, il y a des études scientifiques qui sortent à partir de ce programme. Donc, et on apprend un nombre de choses incroyables à propos des insectes pollinisateurs grâce à vous.
demain ou à celles et ceux qui le font jusque-là. Si je peux me permettre pour ajouter, abonder dans ton sens, c'est un super programme. Ça s'appelle SPIPO2L. Voilà. C'est ça. Vous tapez sur tout bon téléphone. Vous pouvez le faire soit via votre smartphone, et si vous n'avez pas de smartphone, et c'est très bien. Vous pouvez aussi le faire avec un appareil photo numérique et envoyer ensuite les photos sur le site internet. Pour moi, il y a toute cette dimension qui est hyper importante et hyper intéressante et très très efficace pour Spipol, et c'est très bien. Il y a une autre. Moi, j'aime beaucoup. Je travaille beaucoup en milieu scolaire. Et j'encourage énormément les éducateurs, enfin n'importe qui, à en fait utiliser ça un petit peu comme un piège pour forcer des gens à rester pendant 20 minutes en contemplation devant quelque chose de naturel. C'est un besoin qu'on est en train de bousiller. On a besoin d'être proche de la nature. On est en train d'augmenter notre cécité botanique, le fait qu'on ne puisse plus apprécier, reconnaître. La présence de fleurs, alors pour moi c'est beaucoup les fleurs, mais aussi d'animaux en général, qu'on parle d'utilité d'animaux ou quoi. Et un remède à ça, en fait, c'est d'être présent en contact avec cette nature autant qu'on peut. Donc voilà, ma réponse, en tout cas, pour commencer, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ? C'est faire le moins possible, mais d'être le plus possible avec la nature et pour la nature. Et Spipol, pour moi, c'est hyper utile pour ça. Et mon avantage principal de Spipol, c'est que finalement, on force les gens. Certes, il y a un téléphone dans la main, certes, il y a un truchement quand même, mais malgré tout, ils sont là, ils regardent, ils apprécient, ils se posent plein de questions sur pourquoi cet insecte il est là, qu'est-ce qu'il fait. On a besoin, et c'est triste d'un certain côté, mais ces outils-là permettent ça aussi. De redonner à notre espèce sapiens ce goût pour la curiosité naturaliste. Alors c'est pour ça, tu fais bien de le dire, c'est pour ça que je vous parle de Spipol, parce que effectivement là vous aidez la science tout ça, mais en fait vous vous impliquez aussi intellectuellement, et ça c'est ce qu'on fait pas suffisamment, et physiquement puisque vous êtes en contact. Et rien que le fait de faire une galerie Spipol, d'en parler le soir autour de vous, de l'avoir vécu, de vous rendre compte de la diversité, c'est déjà beaucoup en fait. Parce qu'on ne peut pas sauver les insectes chacun individuellement comme ça, du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Donc je voudrais pas. C'est toujours difficile de se dire on va sauver les insectes. Parfois quand la tâche est tellement grande, on se dit bon, je ne vais rien faire. Et en fait, le fait de s'impliquer comme ça avec une galerie Spipol, c'est incroyablement important à plein de niveaux. Pour la science, pour vous, pour votre entourage, vous allez le raconter, vous allez dire j'ai vu ça et tout. Et le jour où on vous parlera de, je sais pas, d'une pétition à signer, d'un truc à faire, vous dire ah oui, c'est vrai, j'en ai vu plein, c'est important, je sais ce que c'est qu'une guêpe solitaire, qu'une abeille solitaire, etc. Et c'est pour ça que je parlais du Spipol presque en premier, parce que ça fait tout en fait. Mmh. Et même si vous devez faire qu'une galerie dans votre vie, Spipol, s'il vous plaît, faites-la. Voilà, c'est bien. Vous ne sortirez pas de cette salle sans avoir installé Spipol sur votre téléphone. Soit votre smartphone, on sera à la soit sortie, un appareil photo. Et d'avoir acheté le livre, évidemment. Et pour commencer, cet été, là, le printemps arrive, tout ça, vous voyez des fleurs avec des insectes. Ce n'est pas la peine faites quand il y a des insectes déjà au début pour ne pas être trop frustré, éventuellement. Vous n'avez pas à attendre devant une fleur comme ça, dans le froid. Enfin, vous pouvez, mais vous habillez, quoi. N'hésitez pas, vous voyez des insectes butiner sur de la lavande ou je sais pas quoi, tac, vous faites votre galerie Spipol et vous serez fiers parce que c'est beau. En fait, l'intérêt aussi de travailler avec de la photographie, c'est qu'on a un rapport à l'esthétique qui est là. C'est pas que technique, c'est pas que, et la science, c'est aussi ça, c'est la beauté. Et les fleurs sont belles et les insectes sont beaux, donc allez-y. Alors, pour ça. Tout à fait. On est tous concernés par la disparition des insectes ou de tout, du vivant, tout ça. C'est pas il, eux, elle, c'est nous. Et donc, plus on met un pied dedans, plus on va pas sauver le monde chacun, c'est pas possible, voilà. Mais mettre un pied dedans, ça crée des choses, ça crée une dynamique qui est importante. Et ça commence dans son jardin avec une galerie Spipol, par exemple. Et puis pendant ces 20 minutes où vous faites ça, vous ne faites pas d'autres choses délétères pour la planète. Donc c'est ça de sauver. Mais alors, pour qu'il y ait des insectes, il faut qu'il y ait aussi des fleurs. Okay. Ah oui. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Non, mais qu'est-ce qu'on fait ? On plante des prairies fleuries. Je vais te laisser parler des fleurs, oui. On
réintroduit des espèces indigènes dans nos jardins, on va chercher des plantes qui ont un intérêt particulier pour les insectes. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? On fait quoi ? On fait ce qu'on fait ? Je parlerai des hôtels insectes après. Ah, si tu veux parler des herbes folles, tout ça. Je vais parler des herbes folles. Les plantes. Si, écoute, ça me vote. On peut commencer par les plantes. On commence par les plantes. Et puis on continuera sur les hôtels insectes. Mais les plantes, qu'est-ce qu'on peut faire chez nous ? Des bombes à graines, ça c'est pas mal d'ailleurs. Alors vous pouvez chez vous faire des choses sur votre balcon, dans votre jardin, à l'intérieur de votre maison. En fait, planter des graines qui vont pousser. Là, c'est les périodes des semis. Hein. Moi, je n'ai toujours pas fait les miens. Je voulais les faire tout à l'heure, mais je suis venu à cette conférence. Il y a des choix à faire. C'est notre faute. Voilà, les tomates sont trop petites, mais c'est une période où vous pouvez commencer vos semis, échanger des graines avec qui vous pouvez. Il y a de plus en plus de, par exemple, des bibliothèques qui mettent en place des grainothèques où vous pouvez récolter des graines et les remettre. Allez voler des graines là où vous pouvez, même si vous n'avez pas le droit. En fait, on a besoin aussi de le rapport aux graines et aux plantes, et c'est la période des semis intéressante pour ça. C'est aussi un moyen de refaire du lien humain, là où on a déficit aussi de ça, évidemment. Ça ne va pas forcément sauver les insectes, ça va vous faire plaisir, mais en faisant ça, vous allez évidemment réensauvager le monde. Pour moi, c'est un peu ça l'idée. Donc si vous pouvez aider à ce qu'il y ait un réensauvagement en plantant et en semant, allez-y. Mais rien que déjà de vous extraire, c'est-à-dire de laisser la nature sauvage être là. C'est pour ça qu'on conseille, par exemple, dans un jardin petit ou grand, c'est vrai qu'on mange, on a envie les trois quarts du temps d'un petit carré de pelouse bien tondu, mais c'est vraiment important de laisser des zones non tondues, des tas de bois ici, un peu le fouillis bazar, c'est vraiment utile. Oui, c'est hyper utile parce que on le qualifie de fouillis bazar et c'est normal parce qu'on est dedans, mais en fait c'est du fouillis bazar que pour notre regard à nous et pour tout le reste du vivant, en fait, c'est hyper précieux. Donc on a un besoin aussi de changer notre regard sur la nature. On est de plus en plus d'urbain, on est aussi lié à un patrimoine agricole très avec beaucoup d'ingérence sur le paysage. On n'est plus habitué au sauvage, on a peur des sauvages. Enfin, je dis on, c'est peut-être moi aussi, mais il y a aussi des études qui montrent ça. Que le regard, les personnes, nos générations préfèrent un jardin bien manucuré. Voilà. C'est même très ancien, hein, puisque c'est judéo-chrétien, hein, la peur du sauvage. Ouais. Ça vient avec l'Éden perdu. Hein. Oui. Oui, oui, oui. Il serait peut-être temps de contrer nos racines judéo-chrétiennes. Enfin, en tout cas, d'arrêter un peu ce déni-là. Alors, c'est peut-être un besoin, mais on parle aussi beaucoup de l'abeille à miel. C'est un besoin, j'imagine, de notre espèce à vouloir posséder. Et c'est beaucoup plus facile de dire on a des ruches, on va avoir des pots de miel et tout ça, parce que on va pouvoir le posséder, avoir notre petite ruche. Il y a des ruches ici à l'Académie du Climat. Et c'est intéressant parce que c'est ça. Enfin, je dis souvent quand je fais notamment ma conférence théâtre ou que j'interviens en milieu plutôt d'entreprise ou quoi, qu'il faut arrêter avec avoir des ruches sur les toits de notre tour pour le service RSE. Il vaut mieux laisser du sauvage et ça a beaucoup plus d'impact que de vouloir mettre des choses en plus. Je ne sais pas si c'est très clair. Alors, si on se résume, on s'inscrit à... En quoi, pardon ? On s'inscrit à SPI... On fait une galerie Spipole au on moins fait dans une sa galerie vie. Voilà. Spipole. Ensuite, on laisse du sauvage dans son jardin, ici et là. Alors, oui. Et après, on fait des petits coins pour les insectes. Oui. On les mélange à ce côté sauvage des plantes, on fait quoi ? Du sauvage, tout ça, on peut laisser. C'est vrai que le regard, quand on parle, mes amis sont enfin, après, je ne sais pas, 20 ans de jardin laissé en friche ou plus, enfin ne me disent plus rien, mais ils ont mis un temps fou à ne pas me dire « Ah, dis donc, tu n'as pas nettoyé un amis peu, déjà. Tu n'as pas taillé un peu. Bon. » Parce qu'en fait, toute cette diversité d'insectes a besoin d'une diversité de fleurs et aussi une diversité d'abris, de logis. Et donc, il y a plein d'abeilles sauvages qui se mettent dans les tiges de ronces, dans les tiges de framboisiers. Vous savez, celles qu'on coupe parce qu'elles sont fanées, qu'on met au feu l'hiver ou je ne sais pas quoi. Là-dedans, il y a des abeilles qui vont passer l'hiver.
C'est pas intuitif parce qu'en fait, et puis aussi, il y a une. Parfois, on parle d'hérésie, d'amnésie. Parce qu'on est né dans un environnement, on a l'impression que c'est un peu comme ça la norme. Mais en fait, non, ça peut être différent. Et donc, on peut avoir des herbes folles partout, etc. C'est un peu compliqué. Donc, on peut, ce qu'on disait, c'est. Je ne sais pas où vous en êtes dans cette démarche, mais laisser. À 10%, 20%, ce que vous pouvez, vous ne faites rien, ça peut être ça. Mais vous pouvez aussi intervenir. On peut faire des choses de façon complètement artificielle et esthétique avec vos goûts, une muraille à insectes avec des fleurs de rocaille, etc. C'est 100% artificiel, ça va attirer plein de monde, ça va vous plaire. Voilà, on peut aussi, on n'est pas obligé d'avoir un truc sauvage ou voilà. En tout cas, quelle que soit la démarche que vous entreprenez, elle est, c'est chouette, ce sera utile, quoi. Les insectes sont diversifiés, ils ont besoin de diversité, de plein de choses, d'abris, de trucs. Et si, c'est pour ça que moi j'aime bien quand même les hôtels insectes, c'est parce qu'on a du mal à passer de aseptisé à sauvage, on laisse le tout avec des bêtes de partout et tout, c'est un peu compliqué pour nous. Donc l'hôtel insecte permet cette transition, voilà. Il permet cette transition, ça fait partie de ces fausses bonnes idées, mais c'est vrai qu'il reproduit des trucs qui n'existent pas moins dans nos jardins et sur nos balcons, c'est-à-dire des végétaux morts, des tiges, des anfractuosités, où peuvent se mettre plein d'abeilles ou de guêpes solitaires, par exemple, ou plein d'autres animaux. Mais là, c'est, ouais. Donc c'est un peu des rustines. Mais vous voyez, c'est comme un nichoir à oiseaux. C'est, en fait, on met des rustines, puisque notre bâti, on l'a organisé de façon à ne pas accueillir les autres animaux. Jusque-là, les murs sont lisses, il n'y a aucun oiseau, chauve-souris, insecte qui peut s'installer, ou très peu. Et maintenant qu'on se dit, ah ben mince, ben du coup on met des rustines, des plugs, donc un nichoir à oiseaux, un nichoir à insectes et tout. Et puis demain, ce serait formidable, dans les murs exposés au sud par exemple, il y aura plein d'infractuosités où les abeilles se logeront. Ce sera intégré dans le bâti. Donc voilà, donc dans cette transition, essayons de faire des trucs. Mais quoi que vous fassiez, même si ce n'est pas forcément une bonne idée toujours, vous voyez, les ruches, c'est complètement une fausse bonne idée d'installer des ruches, mais bon, ça fait revenir l'insecte d'une certaine façon. Donc une fois qu'on a fait cette bêtise, cette fausse bonne idée, on peut aller un peu plus loin après. Vous voyez, on y va par étapes, mais quoi qu'on fasse, quoi qu'on entreprenne, voilà, quoi qu'il arrive, c'est un mouvement. Et après, ça vous permet, tu parles des nichoirs à oiseaux ou des hôtels insectes, ça nous permet malgré tout de nous rapprocher du vivant et nourrir les oiseaux en hiver, choses comme ça. Ça nous permet aussi si on n'a pas la chance d'avoir un jardin ou quoi, sur notre balcon, de voir une biodiversité qui est là et qui existe. De la vie aussi, de la vie tout simplement. Voilà. Alors justement, sur le choix des plantes, est-ce qu'il y a un intérêt à choisir des plantes qui fleurissent ou fructifient tôt ou tard ? Je pense que la priorité, c'est de, enfin, si on peut, c'est de rester dans un esprit de biodiversité, de diversité. Et si on peut avoir comme ça une succession de floraisons sur l'année, c'est top. Et ça, on le voit notamment dans les champs de monoculture. On va avoir une saison de floraison du colza et après plus rien. Et ça crée des carences très fortes pour les pollinisateurs. Donc dans l'absolu, il vaut mieux avoir de tout. Et si on veut observer, parce que l'idée aussi, c'est si on a une diversité, on pourra avoir aussi une diversité d'insectes pollinisateurs qui, pour certains, vont être plutôt actifs au début du printemps. Et donc si on n'a pas de floraison au début du printemps, on ne pourra pas voir ces insectes-là pollinisateurs. Ça, encore une fois, égoïstement, on peut très bien aussi accepter de se dire on a envie de voir certaines espèces, ou le plus d'espèces possible. Bon, mon rêve, c'est que Pokémon Go soit en fait people ou des choses qu'on arrête de s'inventer des animaux imaginaires alors qu'on a plein à notre portée et qu'on ne connaît pas assez et que on a cette collectionnite-là, on peut l'avoir aussi sans les tuer, hein, évidemment. C'est vrai. Même si les insectes ont été de grands inspirateurs des Pokémon. Oui, mais je vois qu'on a affaire à des spécialistes. Mes enfants, des enfants, je dis ça, tu vois, là, c'est la larve de. Et puis, si vous êtes un peu stress de l'insecte, tout ça, n'hésite pas à rappeler à l'OPI ou que l'immense majorité des insectes est sympa.
inoffensive et tout. Et c'est pas parce que vous allez faire venir des friches que vous allez vous retrouver avec plein d'insectes chez vous qui vont vous emporter dans leur nid. Ou... Voilà, mais c'est vrai qu'on a se fait parfois une idée des insectes à partir de quelques exemples. Mais en fait, les rares qui vous embêtent, vous les connaissez, les autres ne vous embêtent pas. Donc c'est vrai que voilà. Et c'est vrai que l'hôtel insectes aussi permettait à certaines personnes de dire bon, ben, les insectes, je les accueille, bon, ils sont là. Voilà, ils sont là, ils sont pas dans. Voilà, je les ai mis là, ils sont, voilà, ils sont chez eux, ils sont bien. Ça permettait aussi ça. Voilà, je sais pas où vous en êtes là-dessus, mais c'est pas parce que vous allez avoir plein d'insectes qui vous butinent, qui tournent autour des fleurs, que ça va rentrer dans votre maison ou vous embêter. La plupart des insectes, enfin, les insectes sont inoffensifs. Nos amis, vos futurs amis, je ne sais pas, mais bon. Normalement, ça y est, si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez quand même une certaine démarche vis-à-vis des animaux non humains. Et des fleurs et des végétaux. Et des fleurs et des végétaux, qui sont complètement liés aux insectes, à une grande partie des insectes. Merci. On va conclure. Allez, allons-y. Est-ce que vous avez un mot de conclusion ? Pardon. François prépare. Vous battez pas. Un mot de conclusion. Non, moi, j'ai envie de faire de la promo pour mon livre. Mon spectacle, c'est horrible. Alors. Non. La vie sexuelle des fleurs. Ah tiens. Un livre. Non, un mot de conclusion, c'est bah, déjà merci énormément d'être là. Merci à tous ceux et celles qui sont derrière leur écran là-bas. Ouais, gardons espoir. Enfin, c'est. Gardons espoir, non, c'est juste que cette biodiversité, c'est la plus belle chose qu'on peut entretenir et qu'on, j'espère, continuera à entretenir et on va renforcer cet entretien. Enfin, je parle d'entretien, plutôt de d'amour. Hein. On a besoin de continuer à aimer la nature et le vivant et je pense que. J'espère qu'on vous a convaincu de ça. Bah, faudrait peut-être leur demander. Bah oui, je vous le demande. On va le demander. François, on vous avez. Demander. Oui, on va le demander. Ce que je vous ai dit, hein, le moindre, c'est vous êtes concerné par la disparition des insectes. Voilà. Dans ce que vous faites, dans ce que vous achetez, dans ce que vous dites, dans ce que vous pensez, qu'il soit vrai ou faux, etc. N'hésitez pas à ça, donc à travers la consommation et des fleurs, pardon. Mais on est tous concernés. C'est vrai qu'il y a une conférence que je fais qui s'appelle Les insectes et nous et moi, parce que voilà, c'est pas les, vous êtes concernés. La vie des insectes dépend aussi de vous individuellement, de la diversité des insectes. Donc ne pas hésiter, quoi que vous fassiez, ça pourra servir. Et bien maintenant, on va vous donner la parole, parce que puisque vous êtes concernés, j'espère que vous avez plein de questions à nous poser. Alors pendant que le micro circule, je voudrais juste dire que le livre de Simon est venu avec quelques livres. Donc si ça vous intéresse, et ils sont disponibles à la fin de la conférence. Voilà, ils seront disponibles tout à l'heure avec une belle dédicace en plus. Alors j'ai pas pris les insectes en bord de chemin. Sauvons les insectes. Quoi d'autre ? Inventaire des petites bêtes des jardins. Mais il va falloir revenir alors. Mais... Vous n'avez pas parlé en fait de l'eau, donc dans les lieux où il y a des insectes, est-ce qu'il faut prévoir une présence, enfin est-ce que c'est un voilà, c'est de l'eau, c'est intéressant, oui. Ouais, ça sert à un peu tout le monde et puis il y a plein d'insectes qui viennent s'hydrater, boire et puis les sociaux viennent chercher de l'eau qui leur permet de refroidir leur nid. D'accord. Donc il y a des guêpes qui viennent chercher une goutte d'eau, qui vont la mettre dans le nid et qui vont la laisser s'évaporer. C'est de la clim, d'accord, par exemple. Et puis les oiseaux, bien sûr, des mammifères. Oui. Donc c'est vrai que l'eau sert aussi aux insectes. Et puis après, si c'est un peu plus grand, ben, des insectes vont venir pondre dedans. Pondre dedans, comme par exemple des libellules, puisque les enfants de libellules vivent sous l'eau uniquement. Et après, j'avais une autre question. Il y a des espèces de poiriers. J'ai découvert qu'ils ne pouvaient se reproduire que si... parce que j'avais planté un poirier, mais on m'a dit, s'il est tout seul, il ne se reproduira pas. Il faut... Et alors, j'ai pas bien... j'avoue qu'on me dit qu'il faut un autre fruitier, mais qui ne soit pas un poirier de la même espèce. Donc, pour qu'il puisse se reproduire, apparemment, si c'est la même espèce, il ne pourra pas se reproduire. La pollinisation ne se fera pas. Okay. Donc j'avoue que ça me perturbe un peu. Ouais, moi ça me perturbe aussi.
En plus, on va parler plutôt de variété pour le coup que de d'espèces, à moins que. Ouais, ça me perturbe. Enfin, pour moi, le fait de planter plusieurs arbres fruitiers, c'est évident dans cette logique que toutes les fleurs du même arbre, en fait, elles ont la même génétique peu ou prou. Donc, il faut qu'il y ait au moins un autre arbre pour qu'on ait un croisement. On est d'accord. Et donc là, si on a un arbre de la même variété, bah, c'est chouette. On est sûr d'avoir une poire Williams parce qu'on aura eu deux poiriers Williams. Peut-être que c'est, je ne sais pas trop pourquoi ils vous ont dit ça, mais ça me paraît un peu étrange. Après, on peut avoir des variétés qui... Alors, maintenant, les horticulteurs arrivent à faire des variétés autofécondes. Donc, on revient sur l'autopollinisation. Il y a énormément de fruitiers qui s'autopollinisent et qui vont créer des fleurs ou des fruits pardon, où en fait, il n'y a pas d'impact sur les fruits. Il y a même des impacts positifs avec des croisements hybrides qui permettent d'augmenter la fructification. Mais par contre, les graines, elles ne seront pas forcément très utiles derrière pour refaire d'autres poiriers. Mais pour revenir à votre question, je trouve ça étrange. Enfin, peut-être que c'était un conseil. Je sais pas. Vous avez fait quoi là? Vous avez un poirier? Et il donne des poires? Mais il a quel âge? Ah, c'est ça aussi. Hein. Oui, mais c'est juste qu'il voulait vous vendre un autre poirier, non? Je sais pas. D'accord. Non, mais essayez. Hein. Après, dans le doute, ouais. Je sais pas, dans le doute, ça vous fera plus de poires. Mais moi, c'est juste, à mon avis, il est jeune. Et évidemment, si c'est un poirier qui n'est pas horticole auto-fécond, il faut qu'il y ait un autre poirier à côté, ouais. Alors, pour moi, de la même variété, ouais. Vous n'avez pas des voisins avec des poiriers? Bon, alors moi, j'ai une petite question qui est peut-être idiote, en fait, j'en sais rien. Non, il n'y a pas de question idiote. Enfin, je crois pas. Vous avez dit tout à l'heure que les guêpes, en fait, venaient manger les cadavres dans nos assiettes. Donc, je pense que vous parlez de la viande. Enfin, moi, j'ai remarqué que les guêpes étaient très attirées par la viande. Donc, je me demandais si, avec un menu végétarien, on évite un peu la présence des guêpes à table. Mais à 100%. Bon. Mais totalement. Les véganes sont complètement pépouses de la guêpe. Tranquille. C'est un autre argument que je peux sortir de temps en temps. C'est vrai, soyez végétalien et végétalienne le plus possible. Alors, en effet, si, on va dire, un plat équilibré végétalien, bah, ça n'attire pas de guêpe. Ce qui va attirer éventuellement, c'est des fruits ou de la confiture, du sucre pour l'adulte. Elle va aimer du sucre. C'est pour ça qu'on peut attirer des guêpes avec de la confiture. Mais si c'est quelque chose de carné, si par exemple vous avez des céréales, des légumineuses, tout ça, du tofu, hein, ça, non, la guêpe, hein, vous êtes complètement tranquille. Donc c'est effectivement... c'est vrai que les végétariens sont encore plus tranquilles. Et vous n'êtes pas obligé de prendre vous pouvez prendre le dessert à un autre moment, mais oui, exactement. Et oui, c'est bien sûr les cadavres, c'est les mammifères, les oiseaux ou les poissons que vous avez dans les assiettes. Parce que les guêpes chassent des proies vivantes et les piquent avec leurs dards ou elles trouvent sur des cadavres qui traînent. Alors, ça, c'est des cadavres d'autres animaux ou parfois dans nos assiettes. Bonsoir. Est-ce qu'un amandier auto-fertile fera des fruits toute son existence ou est-ce qu'à un moment il faudra lui présenter un autre amandier pour activer ou pour soutenir la production de fruits? Pour booster un peu la sexualité oui. en fin de parcours. Non, en fait, s'il est auto-fertile, malheureusement, il ne connaîtra pas forcément le plaisir. Enfin, pas la nécessité de connaître le plaisir de la chair. Non, en soi, à ma connaissance, il n'y a pas forcément d'affaiblissement de la fructification lié au fait qu'il soit auto-fertile. Après, potentiellement, alors ça dépend comment cette auto-fertilité, est-ce que via des processus d'horticulture ou quoi, en fait, il va potentiellement être moins rustique. Toujours sur ces histoires de, en fait, c'est de la consanguinité finalement, et donc.
Et de fait, ce n'est pas tant en réactivant de l'autopollinisation qu'on va changer le fait que, bah, il va peut-être durer moins longtemps sur, que qu'un qui n'est pas consanguin. Quoi. Ah, donc, ça m'amène, moi, à une question. Dès lors, on a quand même intérêt à acheter plutôt des arbres et des plantes qui ne sont pas autofertiles. Si on peut, en particulier dans le cadre du dérèglement climatique, si on veut qu'elle s'adapte. Alors, le truc, c'est qu'elle ne va pas s'adapter. Enfin, je veux dire, une fois qu'elle est... Si on parle d'un amandier ou quoi, ça dépend si vous voulez reproduire derrière, si vous voulez récupérer des graines pour refaire un amandier derrière. Oui, ça, c'est plus intéressant potentiellement. Mais encore une fois, le temps de... Le temps de dégénération est quand même trop long par rapport au temps du changement climatique. Ça, c'est un vrai problème qu'on a sur les migrations. Et c'est des vraies questions à l'ONF, par exemple, actuellement, de stratégie, de comment on va gérer nos forêts sous contrainte climatique, sachant qu'un arbre, ça met énormément de temps à grandir et à tout ça. Et donc, une graine à un instant T qui est arrivée d'un arbre et un croisement d'arbres qui était sous contrainte climatique à un instant T, ça va pas forcément... c'est sur la question du changement climatique, en tout cas, ou sur le stress hydrique et tout ça... je suis pas persuadé que ça ait une implication. Et notamment, il faut vraiment avoir en tête aussi que l'adaptation au fur et à mesure de la vie d'une plante et d'un arbre, il y a peut-être de l'accoutumance, on appelle l'accoutumance, c'est-à-dire de pouvoir s'adapter en tant qu'individu, de pouvoir être plus résistant à l'eau et tout. Mais ça, c'est vraiment à la marge par rapport à une nouvelle graine qui a une génétique plus résistante à l'eau. Donc l'adaptation se fait sur plusieurs générations. Sur un même amandier, en fait, il ne va pas y avoir de différence. Non, alors quand je posais la question, je pensais à la question, je dirais d'une façon quasi collective. C'est-à-dire que si nous achetons tous des plantes qui sont non autofertiles, on peut supposer que les insectes vont s'occuper de fertiliser et donc de permettre aux plantes d'évoluer, non ? Oui. Oui, dans l'idée, oui, c'est que si on en vient à n'être que sur de l'autofertile, oui, évidemment, c'est en fait, on en vient à c'est pas tant le fait que les insectes, oui, enfin, on en vient à ce qu'on disait là de n'être plus que sur une espèce qui a une génétique très faible, une diversité génétique très faible, et que au bout d'un moment, cette espèce va mourir. Et ça, en fait, il se trouve qu'on est en capacité de continuer à avoir ces espèces-là. Il y a certaines espèces en France, alors il me semble que c'est des exemples, c'est chez les géraniums par exemple, où en fait on fait plus que de la multiplication végétative, ou certaines orchidées, où en fait les horticulteurs ne vont faire que des clones. Et donc le pire, c'est la vigne. Oui, voilà, par exemple, c'est ces exemples-là. Et alors après, en tant que citoyen, est-ce qu'on peut nous faire... Il y a des mouvements qui, au niveau des greniers avec Cocopelli, où il y a des mouvements qui, semences paysannes ou quoi, qui essayent d'aller dans ce sens-là. Oui, c'est une bonne question. Je n'ai pas du tout répondu à la question, je crois. Je suis désolée de poser des questions. Non, c'est très bien. J'ai du mal à... En fait, c'est plus que, à mon sens, il faut évidemment promouvoir des choses rustiques et plus proches d'un fonctionnement naturel, entre guillemets. Mais j'ai du mal à le justifier en termes de continuité biologique. Alors, en fait, il y a 15 jours, j'animais une table ronde ici sur les corridors écologiques et le rôle des jardiniers dans les corridors écologiques. Et précisément, la question se posait de savoir comment on crée des corridors, c'est-à-dire comment on fait en sorte que la vie continue et se répande sur de longs trajets. C'est-à-dire sur le territoire français, mais sur le territoire européen, et traverse les mers, et qui est une vie via les oiseaux migrateurs, via tout ça. Et on s'aperçoit qu'effectivement, plus on donne de chance à la biodiversité génétique et à la biodiversité en termes d'individus, plus on a de chance de réparer ce qu'on a tout abîmé.
J'avais une question, je suis un peu jardinier amateur et sur les pieds qu'on achète typiquement en jardinerie sur des pieds de tomates qui sont des hybrides, on nous dit qu'ils ne sont pas reproductibles justement. Et du coup, je voulais comprendre pourquoi par rapport à des semences paysannes et qu'est-ce qui fait que ces pieds ne sont pas reproductibles. Ce n'est pas très clair pour moi la différence entre voilà, les graines qu'on peut acheter chez Cocopelli ou autres qui sont du coup reproductibles par rapport à des pieds hybrides. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ne se voit pas en fait Alors, ce sont des variétés fixées. On appelle ça des F1. Donc c'est la sélection génétique qui a abouti à la nomination F1, ce qui fait que quand on va vous vendre une graine, quand les industriels vous vendent une graine, elle est fixée, ses caractéristiques génétiques sont fixées. Et donc vous aurez d'une année sur l'autre les mêmes fruits. Voilà. Après, les semences paysannes permettent d'obtenir des fruits un peu différents, de faire évoluer un petit peu les choses. Mais quand vous achetez du F1, vraiment de la semence F1, vous aurez des fruits identiques d'une année sur l'autre. C'est fixé. Et en termes de génétique, j'étais en train de faire un callback dans mes années de prépa à Greg. Peut-être ça la réponse. Non, mais c'est l'histoire de croisement. En fait, on va chercher ce qu'on appelle la vigueur hybride, c'est-à-dire d'avoir des croisements. Mais là, j'ai un blanc. Je peux revenir vers toi avec mes fiches de prépa grec. Mais en fait, le F1, il est obtenu avec des croisements entre une première génération et une seconde génération qu'on croise ensemble. Jusqu'à aboutir à un résultat qui ne bouge plus, quoi. Avec des fruits qui seront identiques ou des carottes qui seront identiques. Et derrière, voilà. En fait, il y a une stérilité sur la descendance. Mm. Et en fait, c'est que... En fait, la F1, on la sème et puis il faut en racheter l'année d'après. Ça. C'est quand même... On est des industriels ou pas. Et en fait, l'idée, c'est bien tombé, je pense, pour les industriels, cette histoire, mais que c'est aussi une propriété génétique qui fait qu'on bloque la fertilité en faisant ce qu'on appelle en cherchant cette vigueur hybride. En fait, c'est des croisements génétiques. Il me semble que c'est entre une première génération et une seconde génération. Parce qu'en fait, on cherche à fixer des caractéristiques qui nous intéressent. Et donc, on force en fait le croisement génétique pour garder ce qu'il nous faut. Et en fait, c'est plein de trucs où. Et c'est lié aux gènes récessifs et ça me revient de plus en plus, mais c'est lié aussi à des histoires de gènes. On cherche les gènes et du coup on veut deux gènes récessifs potentiellement et on perd la fertilité en faisant ça. Oui, alors c'est une question assez générique, mais compte tenu du déclin rapide en fait des populations, même s'il n'est pas estimé de manière claire, des populations d'insectes, est-ce que on peut envisager est-ce qu'on va pouvoir continuer à se nourrir même si je connais en partie la réponse, mais voilà, qu'est-ce que c'est votre point de vue justement là-dessus quand on regarde l'importance effectivement des insectes. Moi, je ne me rends pas bien compte si encore aujourd'hui c'est très très important pour la fertilisation dans le domaine agricole. Ou pas. Je peux vite fait répondre. Il y a le truc qu'on dit, il y a une slide que j'utilisais pas mal avant, sur notre régime alimentaire, il est basé pour grande partie sur des plantes qui sont pollinisées par des insectes, mais aussi pour très grande partie par des plantes qui sont pollinisées par le vent. C'est le cas de toutes les céréales, la majorité des céréales. Donc on pourrait dire, par exemple, si on prend un petit déjeuner où on a du jus d'orange, du lait... et du pain, par exemple, et que on se place dans un monde sans insectes, on pourrait toujours se nourrir finalement de pain. Donc en fait, il y a un biais de sélection qui s'est opéré par l'espèce humaine sur ce qu'on a domestiqué pour notre alimentation, qui fait qu'il y a une plus grande part des plantes dans notre alimentation qui sont pollinisées par le vent. Que cette part dans chez l'humain, c'est à peu près dans la nature. En gros, il y a à peu près un tiers de notre alimentation en moyenne qui est liée. Et je parle d'une alimentation générale, avec beaucoup de généralité. Mais c'est à peu près un tiers de notre alimentation, c'est des plantes qui ne nécessitent pas d'insectes pour se reproduire. Tandis que dans la nature, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à peu près 15 à 20% grand maximum. Donc, je ne sais pas si c'est très clair, mais il y a un biais. Mais évidemment, les deux tiers
si on n'avait plus d'insectes, on pourrait. Enfin, voilà. S'il n'y a plus d'insectes pour qu'elles se reproduisent, toutes ces plantes n'existent plus. Enfin, c'est vraiment du noir ou blanc, quoi. Mais, donc, ne vous inquiétez pas, on pourra toujours manger. On pourra toujours manger du pain. Mais on l'a dit, on va avoir plein de carences. Donc, on va mourir quand même. Alors, c'est difficile de répondre à cette question. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a besoin d'interactions, de plein d'espèces, tout ça. Maintenant, demain, il y a beaucoup d'espèces pollinisatrices. La pollinisation ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Il y a peut-être des espèces qui vont se mettre à polliniser d'autres trucs, etc. Il y a une forme de résilience aussi dans la quantité d'espèces. Ce n'est pas facile, mais c'est plus aussi de la prudence. Il y avait plein de choses diversifiées qui pollinisaient plein de trucs. Et si demain, il y en a beaucoup moins, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas trop. Donc, il y a une partie d'incertitude, bien sûr, parce que les insectes ne vont pas disparaître, on disparaîtra avant les insectes, mais quels insectes vont disparaître avant les premiers, on ne sait pas trop, mais ce que montre, voilà, c'est le plus important à retenir, c'est que c'est toutes ces interactions qui font la vigueur des végétaux, d'une partie des végétaux. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui arrivera quand on aura moins de ces interactions? Et si je peux me permettre, c'est très pertinent comme question. Et j'imagine que ça peut être le moteur pour certains hein, de vouloir protéger la nature, parce que c'est notre alimentation, notre survie qui est en jeu. Pour d'autres, ça va être le bilan financier de ça. Et il y a des études qui ont pu montrer qu'est-ce que coûte la pollinisation, et je crois que c'est 180 milliards d'euros par an, à l'économie mondiale, le fait qu'on ait des insectes qui font ce service de pollinisation. Et donc ça peut parler aussi à d'autres. Enfin, ce que je veux dire par là aussi, c'est que, à mon sens, et je pense qu'on a essayé de démontrer ça aussi là, c'est que, éthiquement, la nature, elle a besoin d'être préservée. Et ça s'arrête là. Mais parce que c'est très bénéfique. Il faut qu'on arrête de chercher des bénéfices à la nature. C'est juste, on n'a pas le droit de faire ce qu'on fait à la nature. Enfin, bref, c'est pour déplacer aussi le débat, mais c'est très intéressant parce que, en fait, ça dépend aussi à qui on parle. Et c'est tout le champ aussi de recherche sur ce qu'on appelle les services écosystémiques et la financiarisation de la nature à un moment donné, qui est un peu en passe de changer, ou en tout cas, on fait ça beaucoup sur le climat et tout. C'est que malheureusement, on a un système capitaliste et, où le nerf de la guerre, c'est l'argent, et potentiellement, ça peut parler aux gens. Mais on se rend de plus en plus compte que en fait, c'est notre santé qui prend cher. Et là aussi, parler de santé, je pense que c'est important, et alimentation, ça va dans ce sens-là. Donc, c'est des leviers aussi pour aller toucher des gens qui n'adoptent pas encore des comportements qui permettent de préserver la nature. Oui, mais c'est vrai que si on creuse et qu'on dit bah oui, mais c'est pas grave, il y aura toujours des pollinisateurs parce qu'il y a plein d'espèces, bah ça peut aussi ne pas être chouette en termes de diversité. Ce qui est chouette, c'est aussi que le monde soit diversifié. On aime bien que les humains soient diversifiés, apprendre plein de choses, avoir des gens et des personnes différentes, de plein d'horizons, de tous les milieux. C'est ça qui est chouette. Le vivant aussi, à côté de nous, ben, il est très diversifié et on est en train, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, de, voilà. Et parfois des mauvaises, où vraiment ce ne serait pas utile de faire descendre la biodiversité à ce moment-là. Et ben, voilà, c'est ça, ça. On n'est pas obligé de s'arrêter justement à l'utilité. Les autres sont comme nous sommes. Voilà, ils ont envie d'être là, tranquilles. Et si on pouvait, à chaque fois qu'on fait quelque chose, où qu'on aille, qu'on soit dans notre jardin, dans notre champ, dans notre siège social, se dire, ben, y en a d'autres qui sont des non-humains. Il y a d'autres humains, il y a d'autres des non-humains. Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas faire réduire leur population à cet endroit-là, si je m'installe, voir qu'est-ce que je peux faire pour l'augmenter, parce que, voilà. Et puis, je pense que, enfin, en tout cas, encore aujourd'hui, c'est chouette d'entendre des mouches l'été voler, c'est chouette de voir des oiseaux, c'est chouette d'être entouré de cette diversité, de se balader, de voir des chevreuils quand on se balade. Enfin, tout le monde encore. Ah, vous êtes trop. Bah, voilà. Et c'est ça la diversité aussi. C'est quelque chose qui peut être esthétique, philosophique, sociologique, etc., etc. Et puis, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que si y a une certaine partie de toutes les plantes qui ont besoin d'être pollinisées par les insectes qui disparaît? On peut supposer quand même que dans les interactions entre les plantes, il va manquer quelque chose. Parce que même les céréales, elles causent avec les feuilles.
Oui, en fait, ça revient au concept d'écosystème et que, enfin, de biodiversité aussi, mais les interactions entre espèces végétales, elles sont fortes, elles existent. Est-ce qu'on peut qualifier fort ou pas fort ? En tout cas, il y a des interactions. Et il y a énormément d'interactions, surtout avec le sol, avec les champignons, avec les levures, les levures qui sont des champignons, mais avec les bactéries, avec... Et tout déficit d'une espèce, enfin, il y a tellement d'interrelations entre les espèces que, évidemment, plus on perd d'espèces, plus on fait du dommage au reste de l'écosystème. Il y a évidemment des résiliences avec ça se passe sur le service de pollinisation. On va avoir plusieurs espèces, notamment généralistes, qui vont pouvoir faire le même job, entre guillemets. Donc, si on extrait une des espèces, c'est pas si grave, mais c'est un peu comme le Jenga, quoi. Si on enlève un truc, ça va. Si on enlève 3-4, et au bout d'un moment, il y a tout qui s'écroule. Après, il y a les espèces, ce qu'on dit parapluies, où si là, c'est la base du Jenga et on enlève d'un coup sec, il y a tout qui s'écroule aussi. Mais au-delà de ça, par précaution, il vaut mieux pas trop jouer au Jenga, quoi. Une espèce parapluie, c'est une espèce qui, si elle est présente, protège, si on la maintient. Comment dire, elle a besoin de plein de choses écologiques, et donc si elle est là, ça veut dire qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent exister autour d'elle. Et donc on dit qu'elle est une espèce parapluie. En plus, on s'en est servi avec les insectes, c'est que c'est difficile de sauver tous les insectes, de protéger tous les insectes, donc on essaye parfois de trouver une espèce qui est parapluie, qui si elle, on la maintient, ça va maintenir de façon indirecte ou directe plein d'autres espèces, donc elles sont protégées sous le parapluie. Bah, par exemple, des espèces parapluies, il y a des papillons, des petits papillons azurés couleur azur, bleu, qui ont des exigences écologiques telles que si on fait en sorte qu'elles existent, elles, bah, du coup, ça va protéger ou faire exister un nombre d'espèces aussi incalculables. Et parfois, c'est plus facile de se focaliser, et surtout, on n'a pas les moyens de focaliser sur plein d'espèces d'insectes. Donc on va focaliser sur certaines espèces parapluies et ça va permettre d'en protéger d'autres. Une dernière question. Une dernière question. Victor. Ah, vous connaissez le prénom de... Je me demandais juste... Et ça marche là ? On t'entend pas bien. C'est très bon, fort dans le micro. Ah oui, oui. Okay. Je me demandais juste quel type de fleurs ou de plantes, enfin quelle sorte de fleurs ou de plantes plutôt vous pouvez recommander pour créer une sorte de micro-biodiversité sur un balcon parisien qui n'est pas exactement le lieu le plus propice à cela. Sur un quoi, pardon ? Sur un balcon sur parisien. Un balcon parisien. Oula. Ouais, petit, des, ouais, ouais. Pour qu'il y ait ouais. des fleurs et des pollinisateurs, c'est ça ? Ouais, exactement. Ouais. Bon, on va dire ouais, pour créer une sorte de micro-biodiversité, c'est ça. Bah, en fait, c'est difficile, un modèle type. C'est, voilà. Vous pouvez trouver des mélanges de graines mellifères, dites mellifères, ça veut dire qu'elles proposent du nectar aux insectes. Si vous êtes les aromatiques, par exemple, mais bon, vous trouvez ces infos assez facilement. Il y a plein de personnes qui vous ont référencé toutes les plantes utiles à mettre sur un balcon. Et parfois, ça peut être que des aromatiques qui peuvent servir dans votre cuisine aussi et qui sont vraiment très appréciés des insectes pollinisateurs. Et puis après, c'est aussi en fonction de vos choix esthétiques, vous pouvez avoir des préférences. Bon, la liste des espèces mellifères se trouve assez facilement en ligne. Et voilà. Le thym est parfait, par exemple. Mmh. C'est une plante qui est petite et qui attire vraiment beaucoup, beaucoup les pollinisateurs. Une partie d'entre eux. Mais il y a beaucoup de choses. La menthe aussi. Hein, quand la menthe, on l'utilise pas uniquement pour faire des mojitos et qu'on la laisse fleurir. Il y a beaucoup d'insectes aussi qui viennent, des pollinisateurs en balade. En fait, il y a un petit peu tout. Et puis, comme vous le disiez, des fleurs annuelles jetées dans une balconnière, des bombes à graines, hein, parce que ça, c'est aussi intéressant, vont donner des fleurs qui ne vont pas durer très longtemps. Hein. C'est des fleurs pas éphémères, mais qui ne vont pas fleurir très longtemps, mais qui vont attirer aussi pas mal de petites bestioles sympas. Et je ne dirais pas utiles, parce que sinon, je vais me faire disputer. Après, tu peux mettre aussi des grimpantes. Moi, je kiffe faire ça sur mon balcon, où tu t'encadres ta fenêtre avec des grimpantes. Tu mets du chèvrefeuille. Vas-y. Vous dites quelle fleur vous pollinisez ou quelle déchet vous
va vous remercier. Merci on beaucoup. On arrive au terme de la conférence débat. Voilà. Je voulais juste dire que les spécialistes sont très accessibles. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions n'importe où dans l'INRA, CNRS, LOPI, au muséum, etc. Voilà, n'hésitez pas, il y a les mails, ça se trouve facilement. Tout le monde est accessible ici, vous trouvez nos mails et n'hésitez pas. Est-ce qu'on peut faire aussi, donc on va rappeler que c'était quand même notre site internet Hortus Focus qui organisait cette conférence et que nous avons donc sur ce site une partie commentaires. Vous pouvez tout à fait nous poser des questions, on peut les relayer, il n'y a absolument aucun problème. On répond très rapidement. Oui, allez, on ne va pas dire très, on va dire très. Mais on répond. Donc, et si vous avez besoin de connaître aussi le nom des ouvrages de François, de connaître les dates de Pestacle de Simon, surtout n'hésitez pas à nous les demander et puis on vous donnera tout ça. Voilà. Et puis si vous souhaitez faire intervenir l'un l'autre sur des événements ou autres, c'est avec joie qu'on peut le faire. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller voir des publics différents et de pouvoir aussi partager ces connaissance, moi je parle de passion, enfin d'avoir ces discussions-là et d'avoir... On sent que vous êtes passionnés tous les deux. Et parfois, en fait, on se dit, ben voilà, qu'est-ce que je fais avec mes collègues ? Et en fait, de faire venir une personne extérieure, ça débloque souvent des choses, donc n'hésitez pas, ou même avec vos potes de promo ou quoi, moi c'est avec toujours grand plaisir que je viens ici, quoi. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, merci à l'Académie du Climat, merci au public. Voilà. Bonne soirée. Non, là pour l'instant, je vais tourner ce...